Les gars, bienvenue dans un nouvel épisode. Comment ça va le live Twitch? Bien quoi les refs? L'intro, génial, il a dit. Les gars, j'ai enfin trouvé une musique de but. Ça va très bien se passer. Du coup, petit récap direct pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois. Sachez que le jeune Pablo Nunes, âgé seulement de 19 ans, a déjà été appelé en équipe du Portugal. Et du coup, en fin de saison, je viens de me rappeler qu'il y aura l'Euro direct. Donc ça se peut, première saison, les gars, je tape Ligue des Champions, Euro et Ballon d'Or. Imagine, ça serait une dinguerie. Je viens juste de voir, attendez, regardez. Là, je suis parti dans le classement. Je vais dans éliminateur de l'Euro. Et je vois, on est deuxième. Alors que moi, je jouais normal, comme si c'était, je sais pas, comme si c'était des matchs amicaux. Mais en fait, non, c'était les éliminatoires. Le 2-0 contre le Danemark, là. Et moi, je jouais comme si c'était un match normal, tout ça, etc. Putain, heureusement, on est qualifié. Hein. Heureusement. Sinon, bien quoi, les gars? Bien quoi, la rediff YouTube? Je mettrai cette vidéo en rediff sur YouTube, ça va très bien se passer. Nunes au Barça, j'imagine. Les gars, je vous ai mis un défi de communauté. Si vous regardez bien avec vos pilules, tout ça, en fait, il suffit juste de cliquer sur la pilule et après vous avez le choix entre trois clubs: PSG, Barça et City. Si vous n'arrivez pas à choisir un club, j'irai à l'Atlético Madrid. Donc c'est à vous de faire la différence. Force à vous les gars. Et du coup, let's go. On va affronter l'équipe de Angers en Coupe de France. Zemali. Bien quoi les gars, sinon toujours les mêmes qui sont là. DG, Filou, c'est le signo. Bien quoi Adama. Bien quoi les refs? Je vous mettrai des prédits. Allez, c'est parti, objectif 9 de notes. Là tranquille, un premier match de Coupe de France. Pas trop compliqué en vrai, je pense. On affronte quand même Angers. Eh, vraie balle de la Coupe de France hein. C'est dommage qu'ils aient pris la 3ème division française. Allez, monsieur Pablo. Monsieur Pablo Nunes, le crack, le génie de sa génération. Elle est pas incroyable l'intro? En mode la meuf elle s'est foutue de Ronaldo et c'est lui la relève qui va le venger. Ça va très bien se passer les gars, sachez-le. Je suis là mon ref. Merci. Wow, premier ballon, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Sincèrement, j'ai fait une dinguerie, j'ai plus de pilule. Force à toi, mon ref. Ouais, tu connais, on a bossé, hein. Wesh! C'est pas un rouge, ça? Je suis là. Et merci. Je suis là, mon ref. Tac. Et le boulet, mesdames et messieurs! Monsieur Pablo Nunes! Let's go, les refs! Sortez-moi les drapeaux du Portugal, les gars, s'il vous plaît. Max de drapeaux du Portugal. Que ça soit sur Twitch ou YouTube. Oh, la frappe, elle était limpide. Putain. Elle était limpide. Par contre, le maillot noir, les gars, il est incroyable.
MRC, les drapeaux du Portugal. MRC, les refs. Le nouveau CR7 est arrivé. Ça va très bien se passer. Oh, la frappe, elle était limpide, wesh. Sans pitié. Le ballon est récupéré sur cette interception. Je suis là. Merci. Tac. Bon, bah, le ballon. J'ai vu carrément le PSG, ils nous rattrapent là. Je sais pas s'ils ont triché, je sais pas s'il y a un bug FIFA. Mais de base, le PSG, ils étaient 10e. Là, ils sont 2e avec 6 points de retard sur nous, wesh. Il devient chaud là. Il devient chaud. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Contrôle. Tac. Tac. Centre. Ah. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Ok, fais tourner. Merci. 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 Dommage. Très bon geste défensif. C'était risqué. Feras-tu carrière manager? Carrière manager, les gars, ce sera, je pense, dans. Quand j'aurai fini devenir pro. À la fin de ma carrière. Sinon, les gens, ils vont pas réussir à suivre. Tu vois, je vais faire carrière joueur. Je vais faire du foot. Je vais faire carrière manager. Tu vois, moi, je préfère que les gens, quand je sors une vidéo, ils savent c'est quoi direct. Ils savent ce sera quoi demain. Et pas à se poser la question est-ce que je vais regarder cette vidéo? Non, j'attends l'autre. Flemme. Du coup, pour tous ceux qui se posent la question, les gars, je pense qu'un manager, ça va être dans. Bah, dans 2 mois, je pense. Déjà, ça, on va jouer tous les jours. Deviens pro, c'est tous les jours. Donc, si on fait ça tous les jours, 3 heures par jour, je pense que je finis ma carrière. En vrai. Même si d'habitude, je prends 3 mois à les finir. Là, je vais finir ça. Je vais plier ça en 2 mois, je pense. Ça va très bien se passer. Magnifique, quelle passe. Merci. J'ai eu chaud, wesh. Comment ça, Angers, ça joue? Donc ceux qui viennent d'arriver, les gars, c'est à vous de choisir le prochain club de Pablo Nunes. Est-ce que ça va être le PSG? Est-ce que ça va être Manchester City? Est-ce que ça va être le FC Barcelone? Parce que moi, en vrai, je me suis dit, cette année, vraiment, je m'en bats les couilles. Donc en vrai, pour moi, les trois, c'est la même chose, ils proposent le même salaire. Moi, c'est que le salaire, moi, qui m'intéresse. Objectif, vraiment faire un joueur qui sera milliardaire. Je vais prendre le club qui paye le mieux, mais les trois, ils payent pareil, en fait. Donc c'est à vous de choisir où est-ce qu'on va aller. En tout cas, moi, je m'en fous. PSG, City ou le FC Barcelona. Il est passé. Putain, dommage. Pour l'instant, je vois, ça vote... Attends, ça vote qui, là, pour l'instant? 12% PSG, yeah. On va rester en Ligue 1 ou... Ah, les gars, on va rester en Ligue 1. On va rester en Ligue 1, apparemment. Pourquoi pas Marseille? Et puis quoi encore? Soyez cohérents, les gars, dans vos propos. Soyez cohérents, bordel. Allez, c'est parti, change de côté. Les gars, répondez à ma place à toutes les questions auxquelles j'ai déjà répondu, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me répéter dans ce live. Merci, la team. Merci. Je suis là. Encore, merci. Ça, c'est un arrêt important. Il permet à son équipe. Monsieur Nunes. Voilà une conservation défensive pour... Ah, vous voulez un tuto Pablo Nunes? J'ai fait, il y a un gars carrément, il m'a envoyé sur Instagram le fait qu'il a refait Pablo Nunes, wesh. C'était Pablo Nunes de chez Wish, mais c'était un peu ressemblant quand même. Merci. Encore. Carrément, j'ai peur de sortir contre Angers, frère, parce que je me dis, je sors, on perd. Ce serait une dinguerie. Allez, t'es parti, t'es plus rapide. T'es plus rapide. Ziak. Ouf. T'es pas en jeu. La frappe. Je sais toujours pas si je tape les pénalty ou les coups francs. Depuis que j'ai mis 91 de prise au coup franc, bizarrement, il n'y a plus de coups francs, les gars. Je suis dégoûté.
Bizarre. Ah, bizarre. Oh là là, les gars, pour la première fois cette année, je tiens à ce qu'on se pose et qu'on s'applaudisse tous. Nous sommes 300 sur Twitch, les gars, c'est incroyable. Bien joué à vous, les gars. Je dis ça alors que j'ai fait la pub partout. Mais terrible. On est 300 sur Twitch, c'est une première. Ceux qui voient ça depuis YouTube, sachez que c'est une rediffusion. Et que je live sur Twitch, pour l'instant, tous les jours, 10h. Demain, c'est pas possible puisque j'ai match. Enfin, dimanche, c'est pas possible. Et sinon, tous les jours, 10h, on est là. T'es passé? La passe en retrait? Putain, les gars, wesh! T'es passé, oui. Je suis là, oui. Mesdames et messieurs, Monsieur Pablo Nuresa, sortez les drapeaux portugais en bré. Oula, en brésilien, je suis en ouf. Sortez les drapeaux portugais, les gars, en commentaire, s'il vous plaît, let's go. Sortez-moi ces drapeaux portugais. Merci, Monsieur Pablo. Et bien sûr, on applaudit la sortie de ce nouveau crack du football. Qui est en train de terroriser l'Europe et qui va porter le Portugal, moi je vous le dis. Nouveau tatou, les gars, je vous ai pas dit. Nouveau tatou, nouvelle crampon. Ça va très bien se passer. C'est incroyable, les bots font grave des... Ouais, j'avoue, c'est vrai. Hein. Il y a grave des bonnes combinaisons avec les bots. Je sais, pour Streamlab, les gars, finalement, j'ai supprimé Streamlab. Je me suis dit, ça sert à rien, il n'y a rien à gagner pour l'instant. Je remettrai quand il y aura quelque chose à gagner. Maintenant, pour les prochains qui demandent, s'il vous plaît, dites-leur. J'ai pas envie de me répéter encore une troisième fois. Merci, la team. Du coup, ouais, c'est bon. Les gars, là, si on gagne, on les éloigne du titre. Mais si on perd, hein. Si on perd, les gars, c'est fini. Ils vont faire une remontada. Je le sens bizarre, ce match-là. Je le sens bien bizarre. Déjà, on va aller analyser cette équipe. On va aller revoir cette équipe. Déjà, Mbappé toujours là, j'imagine. Mais est-ce qu'ils ont évolué? 84, Navas. 88, Donnarumma. Mbappé, les gars, à votre avis, après 17 matchs, il a marqué 9 buts. Est-ce que, à votre avis, il a au moins 92 de gêne? Non, il a. Est-ce que il a 92 de gêne? Pile poil. Pile poil 92. À vous de voter. Colomani 84, il a pas bougé. Oh, Draxler, il joue, hein. Par contre, Ramos, force à lui, il joue pas. Dembélé 86. On dirait que personne n'a évolué. Michou Ugarte. Ruiz y joue. Je suis mort, 17 matchs, wesh. Wesh, les gars, Pablo Gavi. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? En vrai, le choix est incroyable quand même. Dans la vraie vie, ça serait lourd. Monsieur Pablo. Wesh. Ah, ils ont recruté, hein. Chiche. Ok. T'as vu Ousni prêté? Ouais, si, j'ai vu. Ousni, il est prêté au Qatar. Junior objectif, Coupe du Monde et 1000. Et 1000 buts. Avec Pablo. Avec Monsieur Pablo. Monsieur Pablo Nunes. 1000 buts, je pense pas, mais. Coupe du Monde, ouais. La réponse est non, les gars, quand même. Mbappé 98. Par contre, il est monté en vitesse. Bon, bah écoutez. Force à nous pour le. Pour le PSG, hein. Force à nous pour le PSG. Mon agent, qu'est-ce qu'il a dit, là? Je suis d'accord, ce club, l'Atlético Madrid, serait une bonne destination pour toi. Laisse-moi y aller voir ce que je peux faire, je pars en mission. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, pour l'instant, mon club cible, c'est l'Atlético Madrid. Mais je vous ai mis un défi de points de chaîne. Vous avez le choix entre le PSG, le Barça et Manchester City. Si vous arrivez à atteindre l'objectif, je mettrai le club cible en question. Sinon, pour l'instant, si vous terminez pas le défi avant l'été, les gars, je me casse à l'Atlético Madrid. Allez, c'est parti.
On reçoit le Paris Saint-Germain. Let's go. Let's go, les gars. Hi, monsieur Mbappé. Oh. T'as vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Qu'il n'y ait pas d'entrée sur le terrain. Tu peux les 1000. Ouais, je peux mettre 1000 buts. Mais je pense que je vais pas réussir. Je vais être un mec collectif qui fait tourner tout ça, etc. Atletico paraît meilleur que le PSG qui a déjà fait. Hein? Qui a déjà été fait dans tellement de carrières. Ok. C'est ton avis, mon ref? C'est quand même une dinguerie de dire que l'Atletico paraît meilleur que le PSG. Allez, les gars, c'est parti, let's go! Oui, monsieur. Oui, monsieur. T'es passé. Mais frère, ton appel, il n'a pas continué. Les gars, à votre avis, est-ce qu'on va gagner ce match? Allez, c'est parti. C'est parti. Avec un peu de chance, sur ce côté, extérieur du pied. Petite main là. Il y a pas une petite main. Ah ouais. Bizarre. Bizarre. Si le PSG te propose une offre, tu y vas ou pas? Mais franchement, ouais, ça fait partie des clubs que je cible. Après, ça dépend si vous réussissez le défi. Wesh, monsieur l'arbitre. On fait attention au petit génie du football, monsieur Pablo. Ouais. Putain, ça l'a lâché une frappe. Oh, ça l'a lâché une frappe, les gars. Dommage. Attention, Dembélé. Mukiele. Dembélé. Ça ressort derrière monsieur Gavi. Tu l'as. Excellent timing sur cette interception. Allez. Tac. 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 Putain, les gars, wesh. Le pressing est efficace là. Ok, on va poser le jeu avec lui. Je suis rentré. Le petit piqué, je suis là. Oh là là, dommage, c'est des hors-jeu. C'était incroyable. Au Barça, il n'y a pas de discussion. Tu penses que Barça est meilleur que City et PSG? C'est un meilleur choix? Ouais, en vrai, ça serait stylé d'être le boss du Barça. Mais bon, encore une fois, les gars, c'est à vous de choisir. Il y a déjà un boss au PSG, il y a déjà un boss à City. Il n'y a pas vraiment de boss au Barça. Mais ça reste à vous de choisir, les gars. C'est parti, let's go. Dommage qu'il n'y a pas la mini-balle dans le jeu. Faudrait le créer. Je pense que carré manager, les gars, je vais créer la mini-balle avant de commencer ma carré manager. Comme ça, je peux le recruter. Tchac. Tchac, je suis passé. Deuxième poteau, y'a qui? Bah, les gars, wesh. Ah, main. Et c'est un pénalty, les gars. C'est un pénalty. Est-ce que c'est moi qui tire? Par pitié. Par pitié, j'ai mis 85 de pénalty. S'il te plaît, laisse-moi taper. Est-ce que c'est moi qui tape? Putain, les bâtards, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, les gars. Damn. Il va la louper. Je savais. Pourquoi il n'y a pas Lamine Yamal? Bah, il est trop jeune. À 16 ans, tu peux pas être dans le jeu. Par contre, dans Football Manager, tu peux. Même à 14 ans. Hé, j'ai fait une mise à jour sur FM, sur Football Manager. Il y a des joueurs, ils ont 14 ans, ils sont dans le jeu. Genre, ils sont dans le jeu, ils ont leurs photos, tout ça, etc. Oh, magnifique, ça. Oh, oh la D. Oh, la D. Dommage. Faut augmenter la finition pour les pénalties. Non. Pas besoin, wesh.
C'est vraiment plus les pénalties. Il a dit si, si. Eh ben écoute, dès qu'on aura l'occasion, on verra. Vas-y, je suis là. Merci. Tchac, tchac, tchac. Vas-y, joue là-bas. Putain, frère. Mi-temps 0-0, les gars, ça sent mauvais. Attention à Mbappé. Yeah, j'ai eu peur. Attention à Mbappé, les gars. Voilà, agressif sur Mbappé. Je suis passé. Les gars, si je vais au PSG, je peux jouer avec Nunes et Vitinha. Je suis intégré directement avec les Portugais. Je suis passé. Ah. Ok. Bah écoutez, mi-temps 0-0. Mais domination de Lens. On verra ce qui va se passer en deuxième période. Renato, Danilo, exactement. Après là, je suis parti voir, je crois que Vitinha, il est plus là. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu Vitinha. Il y a Jao au Barça, bah non, il est prêté. Jao Félix, il est prêté, donc il va se barrer quand je vais arriver. Si je viens. Cancelo aussi, pareil. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. On est là que pour le bif, les gars. Tête de homme. On est là que pour le bif. C'est la vérité. Hein. Il Moukele. Par Trilo, Hakimi. Parce que là, ils ont vendu Harold. Ils ont vendu Harold. Oula, ils ont acheté Harold. Mais il est où Hakimi du coup? Wesh, 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 non! Chef! Ouf! Voilà, passe dans l'axe, les gars! Plus jamais! Je suis là, mon ref. Merci. Posez le jeu, tranquille. Voilà. Voilà. Remets-lui. Oui! Je suis parti. Frère, pas assez rapide. Il a dit chef, mais frère, il a fait une passe dans l'axe, wesh. Il est payé ou? Je suis tout seul. Je suis pas hors jeu, oui. Let's go! Let's go! Messieurs, mesdames et messieurs, monsieur Pablo Nunes! Monsieur Pablo Nunes, les gars, la concentration! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Voilà, Mouki, il est dehors! Mouki, il est dehors, là, je suis trop rapide pour lui! Voilà, le sauveur de Lens, mesdames et messieurs, il est là! Il est là, le sauveur des sang et or! Le jeu est scripté, pas du tout. J'ai attendu la bonne opportunité. Comment ça, le jeu est scripté? Père en silence, ma gueule. Mais en plus, t'es bête, Philo, puisque t'as voté le choix numéro 2. J'ai fait exprès d'inverser. Donc là, ça veut dire on gagne, Philo. Hein. Tous ceux qui ont voté 1, vous avez perdu. Hein. J'ai fait exprès d'inverser, les gars. Je vous ai carotte. Faut lire. Allez, c'est parti. Tchac, tchac. Tchac, tchac. Voilà, je suis là, mon ref. Encore. Oh là 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 là. Il est passé. Ouais, mes frères, les gars, vous avez pas la dalle. Le match, c'est vrai que le match n'est pas encore fini, hein. Les gars, il reste 20 minutes. Sors, sors, sors. Merci, monsieur. Par contre, faute sur le gardien. Monsieur, l'arbitre. Draxler qui sort. Qui rentre. Colomoigny. Yeah! Ça va passer à deux attaquants. Ok. On va poser le jeu. Exactement. Voilà. Intelligent, Pablo Nunes. Encore, les gars. Encore, encore, encore. Ouais, monsieur l'arbitre, ça fait deux fois lui là. On a la cité ou quoi là? C'est un ouf lui. Monsieur l'arbitre. Putain. Je sais pas si vous étiez là hier, on avait fait un live fut. Et j'ai pris une faute à la dernière minute. Et il y a eu bagarre les gars. Je vous jure, il y a eu bagarre. J'ai pris un clip. Je mettrai sur TikTok, vous allez voir. Il y a eu bagarre, genre les deux ils se poussaient et tout ça, etc. L'arbitre il vient, il se sépare et tout.
C'était grave stylé. C'était grave stylé. Et ça, faut vraiment qu'il maintienne dans tous les classicos là. C'est pour ça que le jeu il est PEGI 18. Parce que vraiment, ça se péta là maintenant. Hein. Ouais! Incroyable les gars, let's go, il est porté! Oh là là là! Monsieur Pablo Nunes! Oui monsieur! Oui monsieur! Wesh, oh comment j'ai senti la peine les gars! Comme le gardien de la Lazio. Regardez! Ta! Ta! Une touche, il est hors jeu, il marque de la tête, magnifique! Et en plus pour jouer au Barça les gars, il faut marquer 6 buts de la tête je crois. Du coup let's go hein! Let's go en fait! Attention à Dembélé. Il reste 15 minutes de jeu. On reste Cuisintrao. Ronaldo ou frère, c'est le nouveau Ronaldo là. Après, il le cache pas. Il l'a dit, il est fan de Ronaldo. C'est vraiment le GOAT. Il espère faire l'Euro avec lui, l'Euro 2024. Attention. Attention les scripts. Merci, c'est parti. Wesh, Ugarte, comme dans la vraie vie. Non. Oh les gars. Perte de balle de Nunes en plus. Oh les gars, les scripts, attention. Attention mesdames et messieurs, perte de balle de Nunes. Yay. Tu pourrais mettre le Klopp sur Instagram. J'ai pas compris. Le Klopp sur Instagram. Ah, le clip sur Instagram. Ah non, moi je bois de clip sur Instagram frérot. Mais je le mettrai sur TikTok, Junior TV Gaming, t'inquiète. TikTok et YouTube, Junior TV Gaming, pareil. Vraiment, c'était grave stylé. L'arbitre, il avait du mal à séparer, tout ça, etc. Ça se pousse, il y a des cartons qui voltigent. Incroyable. Le jeu est incroyable. Allez, par contre, les gars, on va défendre, là. Putain, les gars! Par pitié, non! Oui! Dégage ça vite! Oh là 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 les gars! C'est vraiment le match du titre là! On gagne, on a 9 points d'avance. Ok, 2 minutes. 2 minutes à tenir les gars. Face au Paris Saint-Germain. Peut-être mon futur club. Non, 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 non! Je suis dégoûté. Les scripts sont de retour les gars. Et ils sont plus violents qu'avant. Oh les bâtards. Wesh. Le championnat est relancé. Non ça va, 6 points. On a 6 points d'avance. Mais frère, putain, on avait gagné là. Wesh. Victoire, bah la réponse est non du coup. Putain. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Est-ce que tu as joué avec le Portugal? Ouais, j'ai déjà joué un match avec, deux matchs avec le Portugal. J'ai été appelé au bout de 12 matchs. J'ai fait 12 matchs officiels dans ma vie. Et j'ai été appelé. Après, bon. Lamine Yamal aussi, il a été appelé au bout de 6 matchs officiels. Donc ça va, ça reste réaliste. Ça reste réaliste. Du coup, j'ai gagné 3 points de compétence. Moi, vraiment, là, maintenant, priorité, coup franc et penalty. Penalty, j'ai 84, 81. Là, maintenant, je vais avoir 85, là. Voilà. Avec ça, 89. Merci. On va voir maintenant si je tape pas les penalty. Je vais taper les penalty et les coups francs. Qu'est-ce qu'il raconte, l'agent? Le match était bien, j'ai vu que tu avais pris du plaisir. Il faut se concentrer sur les choses positives et qui se présentent. Merci mon ref. Je vais juste voir en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Ah ouais, Atletico les gars, il me manque un but de la tête et c'est carré. Là je suis à 4 sur 5. Un but de la tête et c'est bon, on peut signer à l'Atletico Madrid. Le Barça il demande quoi? Le Barça il demande 4 buts sur reprise de volée.
Le PSG, qu'est-ce qu'il demande? Mais attends, ce PSG, les gars, à gauche, c'est Mbappé, hein. Donc, frère, il demande 6 buts en première intention, mais c'est-à-dire, mon ref. Parce que je les ai fait, les buts en première intention. Par exemple, les gars, le but de la tête, le but de la tête que j'ai mis là, c'est un but en première intention, il n'y a pas de contrôle, c'est tir direct. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par première intention, frérot? Ah, il faut que je le mette d'abord en mode cible et après je commence les buts en première intention, je pense. Je sais pas. Et City. Oh, je peux signer à City. Après, pour un vieux salaire. Si je veux un vrai salaire à City, on va aller voir ça. C'est à la balle, tu tires direct. Pour 216 000 par semaine, il demande 80 centres réussis et 80 buts marqués, frère. Si je baisse un peu. Si je baisse un peu, je signe, les gars. Pour 176 000, je signe. Parce que ce qui est en bas, c'est facultatif. Pour 176 000 par semaine, je signe à City. Ils me veulent. Incroyable, les gars. Mais, encore une fois, c'est à vous de réaliser le défi. C'est à vous de choisir la prochaine destination de Monsieur Pablo Nunes. Est-ce que ça va être le PSG? Est-ce que ça va être le Barça? Est-ce que ça va être Manchester City? Pour l'instant, il y a 20% pour le PSG, wesh. 20% PSG, 8% Barça, 9% City. Il est sur le Ciao, point de ciao, ciao. commencer ce match qu'on attendait tant. On peut sentir la pression qui monte des vestiaires jusqu'ici. C'est contre qui là? Mettez-vous à Grenoble. l'aise et profitez de ce grand C'est spectacle. qui ce club de Est-ce qu'on va Gaulmont le là? vrai? Est-ce qu'on va être déçu? On ne le sait pas Les modos, je encore. vous laisse mettre En des tout prédits cas, maintenant. la terre peut bien s'arrêter sous vos Moi, je pieds. me focus là sur le Mais ce gameplay là. spectacle, il n'allait pas Ok, être Grenoble en Coupe de simple. Dans France. Je l'ambiance pense que je vais jouer 45 minutes. exceptionnelle, au micro, 45 le minutes, on va se sélectionneur focus maintenant national sur la argentin, sur la Omar Da LDC qui va être de Silva, retour. moi-même, Benjamin Da Silva. Et donc, au programme, Ça va ce très bien se huitième de passer. finale de Coupe Je suis nationale. parti une touche! Et c'est Trop une grande tard, surprise de frère! fait pour tous les messieurs. Putain. C'est un hors-jeu. L'arbitre a sifflé. C'est trop tard! Allez les gars. Voici la Je suis là. composition du RC Lens. Encore pouce? Merci. Et un œil sur la Par. composition de cette formation. Tac, tac. Merci. Oui, à la place pour Le Mbappé. centre. Dommage. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Je me demande si c'est un atout pour les retours d'acrobatique ou. Boulet! La Dommage. bonne frappe reste à frapper ce Une côté. frappe à oublier. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de 6 sa buts, part. let's go. Cette Alors, capacité à si une passe n'est pas déceler les réaliste, autres. tu fais même pas une saison. Les gars, je l'ai dit 10 000 fois, je partirai à la fin de la saison. Non, Donc c'est je pas fais une là. saison à Lens et je pars. Quand t'as un crack comme ça, tu fais ta première saison, Difficile baisse t'as pour Mbappé. 19 ans, personne te connaît, tu finis meilleur buteur de Ligue 1, Et le ballon est récupéré tu par restes pas Mbappé. dans le club où t'es, en fait. Même dans la vraie vie, hein. Regardez Kylian Mbappé, les gars, 6 mois avant qu'il parte au Vinicius. PSG, il était juste remplaçant de luxe. Et Sorior avec le ballon pour À la fin de Mbappé. la saison, il valait 180 millions. Donc parlez pas de réalisme avec moi, les gars. Sincèrement. Vous voyez pas ce qui est en train de se passer, là? Le mec, il vaut 66 millions. Il marque à tous les matchs et tu crois que dans la vraie vie il restera à Lens au bout d'une saison? Frère, il part. Comment on fait un entraînement s'il te plaît? En fait, là maintenant ils ont changé cette année. Cette année ils ont changé. Maintenant il n'y a plus les entraînements. Genre par exemple, si t'as pas de match pendant 2 semaines, bah tu peux pas t'entraîner. Tu peux t'entraîner que avant un match. Ça, le truc qui est dommage. Parce qu'on progressait de ouf quand c'était la trêve et tout. Bonne progression, ballotée. Il va la Oh, une tenter. tentative lointaine. Oh, Putain! le travail de Dion! la tenter, mais ça passe quelques centimètres au-dessus. Dion! Vas-y, je suis là. Merci. Voilà. Voilà. Ah, ils vont Voilà. proposer des solutions là. Ouh, le petit pont qui a glissé! Parti, C'était même c'est pas fait bien. exprès. J'ai vu, mais il bloque au dernier moment. Par contre, là, on n'arrive pas à face à Ruben Grenoble, wesh. Gutiérrez. Venez. Oui, le tir. Merci. Bleu sur le gardien qui s'en empare. Allez, vas-y, change de côté. Voilà. Eh oui,
Let's go. Il est passé. La passe. La passe, oui. Ta. Il est passé sur le côté. Le centre. Polololololololo. Mais quel centre! Mais quel centre de monsieur Pablo Nunes! Moi qui centre jamais en plus. Moi qui centre jamais. Qui rate tous mes centres. Enfin, je marque. La musique, elle est trop forte ou ça va? Elle est pas incroyable la musique? Les gars, musique portugaise. J'ai trouvé une musique portugaise no copyright. Benef. On teste encore les gestes techniques. C'est un nouveau jeu, les gars, je suis obligé. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Voilà. On reste que c'est une travaux, les gars, sur les objectifs. Oui, monsieur. Oui, monsieur le portugais. La relève de CR7. C'est pas un but pareil. Hey, que ce soit un but ou un centre, on met la musique. En tous les cas, je suis décisif, mon ref. Allez, ça fait 2-0 face à Grenoble. C'est parti. Ah, y a du monde là, quelques possibilités. Pose le jeu. Tac, tac, contrôle. Extérieur du pied. Oh là 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 là, mais quelle frappe. Passe D. Putain, il est chaud le goal hein. Sera la... Ouais, moi je serai à la mi-temps les gars, je vous ai dit. Je sais pas pourquoi vous avez mis une prédit triplée. Et non, de tous les cas, moi je serai à la mi-temps. Récupération haute, le pressing est payant. Boulet, main. Allez, est-ce que je tire enfin les pénalty les gars? Est-ce que je tire enfin ces foutus pénalty par pitié, monsieur l'arbitre? Enfin, monsieur le coach, pardon. Faudrait qu'ils se mettent à sortir les cartons maintenant alors. Gauche. Ok, de toute façon on regarde si je tire. Putain. Allez bâtard. C'est pas moi qui tire les gars. Merci monsieur. Ça fait 3-0. Dommage, elle était belle la frappe. Elle était belle. Faudrait qu'ils se mettent à sortir des cartons maintenant là. Ce serait grave. Ce serait grave réaliste. Ce serait grave drôle. Allez. 3-0 mi-temps. On est bien. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Ih, il est envoyé. Je suis là, mon ref. Voilà, tac, tac. Exactement, le jeu de lance qui se met en place. Let's go. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent les gars, ce qu'il faut savoir c'est que je pense que je fais live tous les jours, 10h-13h, deviens pro. Mais je sais que vous aurez cours des fois dans la semaine et tout, mais c'est vraiment les seuls horaires où je peux être régulier. Parce que le soir, soit j'ai foot, soit il y a des événements, des trucs et tout, des montages à faire et tout, c'est mort maintenant, c'est plus comme avant. Avant c'était le Covid et tout, je pouvais live tous les soirs. Je faisais pas de foot en club, le Covid, il n'y a pas d'événements. Là c'est cuit là. Tous les heures je suis pas là. Mais sinon même si vous avez cours, il y aura des rediffusions sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit toujours la même chose en fait. Le match était bien, j'ai vu que tu avais pris du plaisir à jouer, il faut se concentrer sur... Ouais, ça fait trois fois le même message. Change! C'est quoi ce manager? Ok, il y a une nouvelle recrue, les gars, qui va d'arriver. Accueillir un nouveau coéquipier. Je vais aller voir c'est qui. J'espère que c'est un bon joueur. Non, c'est fini, FM. J'ai fini la série que je voulais faire sur FM. J'espère que c'est un bon joueur qui est arrivé. Par pitié. Imaginez, genre là, vraiment, on devient pro, c'est bien fait cette année, tout ça, etc. Imaginez, tu prends un... Enfin, imagine, tu prends un joueur à... Enfin, oula, une équipe à 2 étoiles, en Ligue 2. Vous les faites monter en Ligue 1, tu gagnes le championnat chaque année avec eux et ça devient une équipe 5 étoiles. Imaginez. Genre, on devient pro, hein, pas en carrière manager, on devient pro. Ça serait stylé que tu aies une influence comme ça sur le budget de ton équipe. Nouveau joueur, c'est qui? Ah, c'est lui, 0 match. Ah, éclaté, c'est pas lui. C'est peut-être lui.
74 de général, c'est peut-être pas lui. Frère, il est où le nouveau joueur là? Ah ouais. Flop, hein. Pas fou. Alors, prochaine équipe qu'on va affronter, les gars, c'est Toulouse. On va aller voir le calendrier vite fait. Alors, Toulouse, Nantes, Strasbourg, et après, c'est le retour de la Ligue des Champions, les gars. Contre Leipzig. J'ai pas vu le tableau. Je vais aller voir vite fait le tableau. Merci pour tout ce que tu fais à chaque fois. Je suis triste, je regarde une de tes vidéos, ça me remonte. Mais merci, mon ref! C'est pas beau, ça, cette communauté. C'est pas beau. Arsenal-Barcelone, Atlético Madrid contre City. On fera des prédictions sur ça. Hein. Newcastle-Benfica, yeeee! Real Milan, yeeee! Que des matchs serrés. Porto contre Napoli. Que des matchs serrés, tu sais pas qui va gagner. Incroyable. Ça va très bien se passer. Bah du coup, let's go. Du coup, let's go. Go se déplacer à Toulouse, dans le sud de la France, dans la ville rose, pour affronter cette équipe. Pour la... Oh, attends, j'ai débloqué un truc. Pour la prochaine prédiction, les gars, je vous dirai les mots, ne bougez pas. J'ai un nouvel atout. On va mettre... Je sais pas si vous voyez. Maintenant, ça a changé les atouts, maintenant, c'est comme ça, les gars. Passe longue, passe intuitif, tir en finesse. Et intuition, il réalise des passes et tire fantasque avec une précision accrue. Wesh, ballon piqué. Moi, je vais mettre passe longue, passe intuitive, tir en finesse avec une meilleure précision. Vas-y, let's go. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, pour la prochaine prégie, regardez ce qu'on va faire là. Les matchs, c'est quoi? C'est Lyon contre Rennes et Lens contre Toulouse. Genre, la prédit, c'est victoire Lens plus victoire de Lyon. C'est mieux de faire des prédits comme ça maintenant. C'est parti, je vous laisse mettre ça, les modos. Let's get it! Ouais, il y a des nouvelles crampons. Mais en fait, les crampons qu'il y a, c'est les crampons qui étaient déjà sur la dernière mise à jour de FIFA 23. Donc, il n'y a rien de nouveau en vrai. Tu joues en légende ou ultime? Non, je suis en ultime là. Là, c'est vraiment ultime. Allez, c'est parti, let's go. On va affronter cette équipe de Toulouse. J'ai hésité aussi à commencer à Toulouse. Qui se rappelle du Deviens Pro que j'ai commencé à Toulouse, les gars? Il y a quelques années. Le fameux Marcus Cissé, le buteur toulousain. Avec sa teinture blonde là. Le danseur de Logo B. Ouais, c'est parti, tac. Je suis là, oui. Oui, monsieur. Yeah! Ok, c'est pas comme dans FIFA 23. Hein. Ah, les crochets là. Les crochets, c'est pas comme dans le 23. Je suis là, mon ref, merci. C'est parti. T'es plus rapide. Va provoquer gamin, va provoquer. Centre deuxième poteau. Pff, dommage. Mais le centre est réussi. Moi qui fais rarement des centres réussis. C'est peut-être grâce à... Ah non, j'allais dire c'est grâce à l'atout, mais en fait non, j'ai pris finition. Comment on met une prédiction? Normalement, ça s'affiche sur votre écran. Vous avez juste à miser. Je suis parti. Mais frère, les gars, trop tard. Vas-y, va marquer. Trop tard. Ok, fais tourner. Mais non, pas avec moi, putain. Pourquoi tu me la donnes? Fais tourner de l'autre côté, bordel. Là, je sens que le PSG va nous rattraper, là. Je sens que le championnat il va jouer à la dernière journée. Sortez les gars, sortez, sortez. Ne laissez pas jouer les Toulousains. Merci! Et ouais, merde. Yeah, merde. Dessus! Merci, monsieur. Joue avec lui, joue avec moi. Tac. Tac. Je suis parti. Merci, monsieur. Il a esquivé le tacle. Let's go. Accélère. Je suis là, mon ref.
Oui, le centre, mais av avance! Pourquoi il a reculé? Génial, wesh les gars, bien ou quoi? Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Pour l'instant, vous avez rien loupé. On a affronté le PSG, on s'est mangé une remontada, les gars, c'est une dinguerie. On a gagné 2-0. Il restait 10 minutes, ils ont mis deux buts. Enfin, remontada, mais match nul, quoi. Et à part ça, on est toujours au mois de janvier de la première saison. Objectif, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Déjà, on joue contre Leipzig. Je trouve que c'est cadeau quand même. Allez, il faut lever la tête maintenant. Mais non, frérot! Vous imaginez, on aurait fini deuxième du groupe. On aurait affronté le Bayern direct. Ça aurait été dur, hein. Le ballon change de pied. Il y a toujours le Guidi en célébration. Je sais pas, moi je l'ai pas vu en tout cas cette danse. Bien joué, c'est un bon mouvement. Merci. Change de côté. Merci monsieur. Venons, calme le jeu là. Facundo Medina. La passe vers Abdoul Samed. Voilà. Voilà, Nunes. Et là, on est parti. Oh là là, incroyable. Incroyable, merci. Vas-y, fiston. Toujours en sa possession. Oui, la frappe. Merci, fiston. Pff. Les gars, on est chaud. Le RC lance, les gars. Ben là, en vrai, là, je vois depuis tout à l'heure, on parle de PSG, Barça, City. Ça se trouve, je vais prolonger, les gars. Ça se trouve, je vais rester ici, en fait. C'est pas mal le RC Lens en vrai. Tiens, tiens, tiens. Là, je rigole. Imaginez, je passe 15 ans ici. 15 ans au RC Lens. Jamais. Mi-temps, 1-0, but de Bologhen. Merci, monsieur. Voilà, à la mi-temps, c'est triste dans les vestiaires là-bas. Salut, salut les gars, bien quoi? Sinon, non, Denzo, il n'y a pas de. Je sais pas qui a posé la question. Le RPO, je sais pas quoi, etc. Non, moi j'ai arrêté. J'ai arrêté, je pense que j'ai fait le tour du RP, les scénarios, tout ça, etc. Frère, on est parti dans des bails de tromperie, de drogue, de gros dilemmes. Vraiment, on a tout fait, on s'est bien amusé dans le RP, les gars, mais cette année, c'est terminé. Vous avez grandi, vous savez que, voilà, vous êtes plus des gosses. Vous êtes plus des gosses. Mais du coup, c'est bien Avec qu'on une ait bonne créé ce transition dans le truc. camp On adverse. n'oubliera jamais. Ah non, finalement le ballon est perdu. Mais je pense à la longue, frère, ça va être vu et Voilà, revu. c'était un peu le feuilleton du moment, mais c'est fait. Maintenant, le transfert est acté. À ce prix-là, chapeau, c'est une belle négociation. Oh oui, la frappe. Ouais, le gardien Yui. s'est au sol sur l'intervention. L'arrêt de jeu. Mais sortez. Merci. Sortez les gars, sortez, sortez, sortez. Mais les gars! Plus d'agressivité, bordel. Alors, est-ce que c'est Drao? Yeah. Mais il est chaud le goal, hein, Brice. Il est chaud, wesh. Le fameux goal de l'équipe de France. Je pense que malheureusement pour lui, il arrive vraiment à une génération où... Ça va être très compliqué pour lui de jouer, hein. Parce que Maignan, il va pas laisser sa place. Il y a Lafond aussi qui est là. Quoique, les gars, vous pensez que lui, il passe devant Lafond ou pas? Je suis parti, mon ref. Plus vite. Bah ouais, plus vite, les gars. Vous êtes là, vous faites 10 000 contrôles de balles. Ah, il est âgé. Je savais pas. Il a quel âge? Là, mon ref. Magnifique la passe. On passe sur le côté. Est-ce qu'on va mettre un deuxième but dans ce match? Voilà, faites tourner encore. Ici, c'est bouché, on change de côté. Let's go. Exactement, Nunes. Nunes qui décroche de son poste. Tchac. Tchac, tchac.
Tchac, oh là là, le jeu de lance, les gars. Le jeu de lance, les gars. La frappe, mesdames et messieurs. Monsieur Pablo Lunes qui trouve la solution à la 68e minute de jeu. Incroyable. Oh, les gars, le jeu de lance. Vive Tema, ta. En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au Barça, en fait, tu vois, quand je vois ça. Il a 29 ans, le goal. Ok. Tu peux être agent libre. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est que ma première saison. J'en ai aucune idée. Allez, il reste 20 minutes. Je pense que je peux sortir. J'ai fait ce que ça va faire. J'ai 10 sur 10. Tout est carré. On va se préserver pour le match contre Nantes. Ouais, je panique le défenseur là. Mais frère, tu me la mets là-bas. C'est pas là-bas qu'il faut la mettre. Y est la batterie. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Allez les gars. Ah, bizarrement, je demande un changement. Il n'y a plus personne qui veut sortir le ballon. Hein. Je vais rester jusqu'à la fin du match. Allez, c'est parti, des plats rapides. Yay! J'ai menti. Ouais, sous la pression, putain, sortez dessus pour de vrai, frère. Voilà, merci. C'est parti. Tac. 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 Encore. Merci. Oh là, elle est passée. Ah putain, vas-y, vas-y. Oh, j'ai niqué l'action, les gars. Oh là, c'est méchant. Bien joué. Homme du match. Quel joueur. Merci, monsieur. Victoire 2-0. Allez. Est-ce que le PSG a gagné? Est-ce que Lyon a gagné? Est-ce que Lyon a gagné, mesdames et messieurs? On va aller voir ça tout de suite, là. Comment on regarde ça? Hop. On va aller tout en bas. Ouais, victoire de Lyon, les gars. Victoire de Lyon 2-0, victoire de Lens 2-0. Les Lyonnais qui passent deuxième, le PSG troisième. Brest quatrième, c'est une dinguerie quand même. Marseille septième. Lille 12ème, dites-vous, on voulait aller à Lille de base. Il a rien dit de nouveau. Tu fais carrière manager? Non, même pas. Là, c'est carrière joueur. Après, bien sûr, je ferai carrière manager une fois que ma carrière sera terminée. Les gars, fin du mercato maintenant. On va passer en février. Le mois de la Ligue des Champions. Tiens, tiens, tiens. Vous pensez que je vais avoir une offre là? Je pense impossible. Je vais passer au suivant. Hop. Comme ça, ça va plus vite. Ensuite, on fait l'entraînement. Et je vais rajouter les points de compétence que j'ai à mettre. Alors. Je tire toujours pas les pénalties en plus. Hein. 89 les gars de tir au pénalty, je tire toujours pas. Donc ça veut dire qu'il faut que j'améliore. D'après ces signaux, il faut améliorer la finition. Finition, tir de loin, il est éclaté. Pénalty 89. Ça c'est quoi ça? Reprise de volée 59. Putain. Attends. Tac. Tac. C'est quoi ça? Ah, puissance de frappe, ok. Puissance de frappe. Penalty. Ça, c'est mauvais pied. Ok. Bon, on va mettre dans ça, un tir de long. Et j'ai 82 de notes. Franchement, je suis un joueur pauvre, les gars. 18 000 dans mon compte en banque, wesh. 46 en tête. T'as vu, c'est une dinguerie. Après, il est petit aussi. Allez, c'est parti, on se déplace les gars en Bretagne, on part à Nantes pour essayer de s'imposer face à cette équipe bretonne. Non, en vrai, je te laisse mettre des prédits, c'est le signal.
Franchement, là, je gagne le championnat, je gagne la Coupe de France, je gagne la Ligue des Champions et je gagne l'Euro. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de gagner mon premier Ballon d'Or en première saison? Ce serait une dinguerie. 19 ans, Ballon d'Or portugais. La relève de CR7. Et j'ai bien envie de voir si, même si je pars en été, est-ce que je serai Ballon d'Or, genre? Est-ce que le bug a été réglé? Ah Nantes, c'est pas en Bretagne, c'est où Nantes? C'est où, wesh? Comment ça, c'est pas en Bretagne, Nantes? J'ai toujours cru que c'était en Bretagne. Mais on est d'accord que Rennes, Lorient, tout ça, c'est en Bretagne. Loire-Atlantique, jure! Et c'est où la Loire-Atlantique? C'est vers Strasbourg, tout ça, non? Genre, tu regardes la carte de la France, c'est à droite. Oh les gars, je pensais que c'était en Bretagne, moi, Nantes, wesh. Toute ma vie, j'ai cru que c'était en Bretagne. Il a dit ça à gauche, bah voilà. Bah à gauche, les gars, wesh. Ça veut dire c'est à côté de la Bretagne, ça y est. Ah, c'est en dessous de Rennes. Ah bah ça y est, c'est pareil, les gars, wesh. C'est ça comme si c'était... Wow. Comme si je me suis trompé de ouf. En vrai, c'est vers la Bretagne, ok. Ok, ok, autant pour moi. Mais c'est pas la Bretagne. Vas-y. Lâche ton ballon, merci monsieur. Je suis là. Oh là 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 là, le jeu. Le jeu de lance. Le jeu de lance. Oh! Oh, ce qu'il a fait, les gars! Oh, le jeu de lance! Penalty, là, moi je tape. J'ai amélioré ma finition, s'il te plaît, monsieur le coach. Eh, vas-y, frère. Oh, c'est une dinguerie, le favoritisme dans ce club. Je pars en fin de saison. Je me casse de ce club en fin de saison, les gars, c'est une dinguerie. Pas très bon en géographie. Non, figure-toi que si, frère. Je savais que Nantes c'était vers Rennes, tout ça. C'est pour ça que je pensais que c'était la Bretagne. Salut, frérot. Salut, Yann. Allez, 1-0. Franchement, les bots, là, cette année, ils font un meilleur jeu que dans le 23. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois, les phases offensives, elles sont incroyables. Genre les déplacements, tout ça, des bots, même quand ils ont pas le ballon, ils sont mieux faits. Ah, j'allais faire une passe extérieure du pied là-bas, là. Par contre, les contrôles passes, on dirait, des fois, ils sont là. Ouais, les tirs de loin aussi, ils sont pas mal. Merci les gars. Je suis là, on soutient. Je suis là, wesh. Merci. Il est passé. Tac, la passe. Je suis là, mon ref. Merci. Changement de côté. Pouah, là, 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 là. Mais il fait le jeu, Nunes. Dommage. J'aime trop faire ça. Tu repiques dans l'axe comme ça, là. Ah, attention, Nantais qui repose le jeu. Duverne qui passe à Bamba. Ok, tranquille. À qui frérot? Je suis parti. Merci. Tac. On accélère. Il va y aller, il va percuter le petit portugais. Il va percuter. Y'a qui dans l'axe, les gars? Putain! Pourquoi il fait pas le coup du foulard là? Fini! Le portugais Pablo Nunes, mesdames et messieurs! Oui, monsieur! Let's go! Le live jusqu'à, je pense, 13h, 13-14. Mais je pense 13h. Allez. Putain. Je suis là. Hop.
Hop, hop. Hop. Ah. En coupe de cheveux, ils ont rien rajouté, mon ref. Il n'y a pas de nouvelle coupe de cheveux. Vraiment rien à voir. À part en club pro. On va savoir. Mais non, merci. Changement de côté. Et c'est terminé, les gars. C'est la mi-temps. 2-0 à la mi-temps. Come on, bro. Allez. Deuxième mi-temps. Le match est plié, mais on va continuer à le plier. Hein. It's my job. Je suis là, mon ref. Excellent. Tac. Tchac, tchac. Frère, lui, il fait trop de gris-gris inutile, on dirait moi. Il n'en faut pas deux dans l'équipe, quand même. Et duel remporté dans la surface. Dommage. C'était dans les attention, Bamba. Du Verne. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une pépite du football mondial. Monsieur Duvert qui accélère et qui perd le ballon. Tranquille dans l'axe. Tac. Tac. On part les gars. Voilà le jeu qui se met en place. Tac. Tac. Merci. 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 Oh là là, le football de Lens. Ça fait 45 passes, les gars. Putain, dommage. Ça faisait au moins 45 passes depuis tout à l'heure, là, wesh. Quel club. Change de côté, là-bas. Je sais pas si vous avez vu, les gars, Brighton, là. Face à Manchester United dans la vraie vie, putain. Et United, ils se sont fait tourner pendant je sais pas combien de passes. Après, but. But. Toujours dans les bons coups, les gars. Toujours dans les bons coups, le jeune Pablo Nunes, mesdames et messieurs. Let's go. Sur Instant Gaming, il est à 50 euros. Mais généralement, le jour de la sortie, vous allez à Auchan, au Carrefour. Moi, à chaque fois, je faisais ça et j'avais le jeu à 30 euros. Hein. Je sais pas, ça a changé. Mais dès le premier jour, le 29, vous allez à Auchan, au Carrefour. Dès l'ouverture. Et vous avez le jeu pas cher. Après bon, c'est le CD hein. Maintenant les choses n'aiment pas trop avoir le CD. Tchac. Tchac. Centre. Ah. Encore. Retourner. Putain, il faut pas de retourner ou quoi là. Je crois qu'il faut un atout les gars. Atout acrobatique, je sais pas quoi là. Ok, t'es parti. Waouh, dommage. Je m'attendais pas à ce qu'il me la redonne. À chaque fois de se déplacer pour changer de jeu. Ok, mais moi je donne juste des conseils, mon ref. Après, si tu veux pas y aller, tu vas pas. C'est quoi le meilleur jeu de cette année? Je sais pas, mais j'attends les gars avec impatience UFC 5. Il a l'air grave bien fait. Les gars, UFC 5, hein, on va faire une carrière dessus là. T'es parti. Merci. Mes frères, sois cohérent dans ton jeu. Voilà Nunes, la combativité. Jeune portugais. Ok, t'es passé. Oh putain, j'ai mis du temps à donner le ballon. La carrière NBA 2K, en vrai, moi je suis pas très bon à NBA 2K, donc pour une carrière bizarre. Mais franchement, UFC, let's go. UFC, les gars, ça va faire une carrière. Ça va très bien se passer. J'ai déjà plusieurs persos en tête, là. Vas-y. Mais non, madame. Madame, y'a rien, wesh. Attention.
Le coup franc des Nantais. Let's go. Je suis là, mon ref. Merci. Ok. Tac, tac. T'es passé, t'es plus rapide. J'ai cru. J'ai cru à l'espace qui s'est libéré, malheureusement. Yay. Merci. Victoire 3-0, victoire confortable. Franchement, là, on commence à être vraiment des candidats sérieux à la LDC. Hein. Hey, le niveau de jeu, les gars, il est incroyable. Avec ton argent, construit des maisons au Portugal pour les SDF. Mais frérot, tu crois que le jeu permet de faire ça ou quoi? On aurait bien voulu. Mais déjà, le salaire de Nunes, il est éclaté à Lens. Même lui, il a du mal à s'acheter des trucs. Et si le jeu pouvait permettre de faire ça, let's go. Hein. Allez, maintenant, c'est... Ouh, Strasbourg! Strasbourg avant les pchiches. Donc Strasbourg, on va jouer 45 minutes. Je tiens à vous le dire déjà. Ça va être très vif. Pourquoi ne pas accorder cette interview? Ça fait de la publicité, les fans adorent en apprendre un peu plus sur ce qui se passe en coulisses. Mais de quoi il parle? J'ai refusé une interview? Ah, c'est ça là. Est-ce qu'on accepte de faire une interview, les gars, ou est-ce qu'on fait comme PNL, on répond à personne? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce que je dis c'est un club soudé? L'engagement de chacun, s'envoyer des fleurs. Est-ce que je m'envoie des fleurs? Est-ce que je loue un peu l'engagement de chacun? Ou est-ce que je réponds à personne comme PNL? Comme Ethan Mbappé, les gars. Ethan Mbappé, vous l'entendrez jamais. Qui ici connaît la voix de Ethan Mbappé? Personne. Il va donner zéro interview. Accepte, accepte, accepte. Non, je rigole, wesh. On va dire on est un club soudé. Grosse performance, on va louer les coéquipiers, on va dire bravo, c'est un travail d'équipe. En termes d'investissement, mon ref, on récupère les sous, voilà, merci. L'application mobile qui m'a rapporté de l'argent, l'e-sport qui m'a rien rapporté. Et est-ce qu'on investit dans la microfinance là? J'ai l'impression, les gars, les investissements, ça sert à rien, frère. J'ai pas l'impression de devenir plus riche. Mais bon, on est obligé de le faire, hein. Objectif milliardaire, les gars. Je vais tout faire. Objectif le milliard, les gars. Entraînement, ça c'est fait. Et c'est parti pour affronter l'équipe de Strasbourg. Avant de se déplacer en Allemagne et de faire un vrai match face à Leipzig. Let's go, les gars, dans les vestiaires, on est chaud. Bélec, je me blesse. Je me suis encore jamais blessé. Là, vraiment, ce serait vraiment le pire moment pour se blesser. Là où ça devient vraiment un moment important pour le club. Je me blesse comme Neymar, là. Flemme de ouf. Flemme de ouf. Allez, c'est parti. Yay. Mais il a poussé son ballon. Tranquille, mon pote. Voilà, let's go. On voit des pieds, tac. Ah, mais je m'attendais pas à avoir une grosse passe comme ça, wesh. Alors, il n'y a pas une meuf qui peut m'acheter FC24. Mais toi, sois un homme capable, frérot. Denzo. T'as besoin qu'une meuf t'alimente. T'as pas honte? C'est un ouf, Denzo. Je suis là, mon ref. Excellent. Juste on s'habitue à jouer comme ça avant de jouer contre les Leipzig, c'est parfait. Voilà, tac, tac, une touche, hop, hop. Tout seul, merci. Incroyable. Centre, but. Non. Mais frérot, c'est un plateau là, le plateau. Oh les gars, il fait ça contre Leipzig, hein. Ça va le soulever lui. Non, là c'était servi sur un plateau là. Il abuse le frérot. Raté de l'année, mais vraiment. Heureusement, c'est pas un buteur. Hein. Attention à Strasbourg, c'est une équipe piège aussi. La bête noire du PSG. Yay! Merci. Et attention. Traoré qui perd le ballon. Let's go, ça repart de l'autre côté. Je suis là.
Tac, tac. Change de côté maintenant. Tac, tac. Je suis vraiment l'électron libre, je suis partout. On dirait Neymar quand il était à Santos. Oh là là, ce double une 2. Mais tire en une touche. Dans ce jeu, j'ai l'impression que j'ai du mal à taper en une touche. Tirer, wesh. Ok, le contrôle. Ah ouais, dommage. Un peu trop précipité. Il a dit Leipzig. Moi, j'ai du mal à le dire, moi. Il y en a, ils disent Leipzig. 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 Vous dites comment, vous? Leipzig, wesh. Ah! Merci, la récupération. On perd le ballon, on le récupère. Ok, hop. Hop, 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 hop. Oh là là, ils n'arrivent pas à suivre. But fini, merci. Oh là là, incroyable. Incroyable. Leipzig. Leipzig. Bah, Leipzig, frère. Au pire, ouais, hey, RBL. RBL, on va les appeler, t'as raison. On va pas se casser la tête. Le RBL. Vas-y. Voilà. Vas-y. Mes frères. Ok, pourquoi pas. Vas-y maintenant. Merci. Contrôle. Voilà, tente tes pieds gauche cette frappe. Pied droit, pied gauche. Vraiment Ronaldo, les gars, c'est vraiment la relève de Ronaldo. Il y a un gars, il m'a dit mets les manches longues, il fait froid. Après le match, t'inquiète. Après le match, tu me rappelles ça en faisant. Et les gars, est-ce que pour le retour de la LDC en 8ème de finale, on change de crampon ou pas? Histoire de fêter l'événement là. Par contre, poussez la bite main, s'il vous plaît, merci. Il a raison, ouais, il a raison, on va faire ça, on va se couvrir, c'est important. Ok. On part sur l'autre côté. Voilà, merci, putain. Non, franchement, les gars, le pressing cette année, c'est grave lourd. Dans le 23, j'avais du mal, hein. Là, on récupère plus de ballons en pressant, là. L'agressivité de Pablo. Tchac. Tchac. Je suis parti, merci. Dans l'axe, les gars, il y a qui? Boum. Let's go. Let's go, les gars. Non, on est chaud. Lui, là, le buteur, là, Bolagun. Trop chaud. Maintenant. Oh, le bâtard. Il a fait exprès l'arbitre. Ok, mi-temps. Mi-temps, les gars, c'est bon, on est prêt. On va pas trop se fatiguer. Il y a Leipzig qui arrive. Ça va bien se passer. Objectif vraiment gagner dès le match aller. Faut que dès le match aller, on se fasse respecter. Et bien sûr, on applaudit la sortie du jeune portugais qui a porté son équipe et qui va se préparer pour la Ligue des Champions. Let's go. Quand est-ce qu'on peut acheter le jeu en magasin? Le 29. C'est pour ça que vous n'avez pas encore reçu le jeu RU et Freestyle. En fait, parce que le jeu n'est pas sorti en fait. Mais dès que je l'ai, je vous envoie le code. RBL Junior. Ouais, je vais dire RBL, c'est mieux. Allez, c'est parti. Même si les gars, il n'y a plus les entraînements chaque semaine. Imaginons par exemple que vous avez trois semaines où il n'y a pas d'entraînement. Imaginez par exemple vous avez 3 semaines où il n'y a pas match. Et ben, je sais même plus ce que je voulais dire, les gars. Ouais, des fois il y a 3 semaines où il n'y a pas match, ben, vous pouvez pas vous entraîner. Mais par exemple, s'il y a 5 matchs en 2 semaines, vous faites 5 entraînements. Ça qui est bien aussi. Les manches longues, les nouvelles crampons, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Investissement après, vous pouvez récupérer. Ah, c'est nouveau ça! Ils nous disent qu'on peut récupérer nos sous. Du coup,
Personnaliser, modifier le pro. On met quoi, les gars? Ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Mais les gars, wesh. J'avais pas vu ça. Même ce matin, j'ai pas vu. Genre, vous avez vu, vous? Oh, ces crampons, on va les inaugurer. Ça, j'ai vu, ça, j'ai vu, ça, j'ai vu. Ouais. Les gars, c'est nouveau, ça, on est d'accord. Alors, c'est contre-auditoire. Ouais, de ouf. De faire zéro entraînement en 3 semaines parce qu'il n'y a pas match. Et quand il y a plein de matchs, ben, il y a entraînement à chaque fois. Je préférais avant en vrai. Eh les gars, flex, hein. Ça et ça, c'est nouveau. Mais je préfère ça perso. On va aller voir s'il y a d'autres. Ouais, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est incroyable. Mais bon, ça, c'est vu et revu. On les a déjà saignées, celles-ci. Mais ça, c'est incroyable. Les chaussettes, c'est carré. Et les manches longues. Avec un col roulé ou... Non, je rigole. Avec un col ou pas? Il a dit fais une teinture, paye. Les gars, regardez, je vous ai mis... cliquez sur l'emoji pilule. Et vous avez plusieurs défis. Déjà, il y a le défi, c'est à vous de choisir, si, c'est à vous de choisir les gars si je vais au PSG, Barça et City. Et ensuite, il y a d'autres défis, les gars. C'est à vous de choisir les crampons que je vais mettre. 15 000 pilules, faut payer. Et pour changer, pour mettre des teintures, c'est 20 000. Donc ça vous tralasse. Non, pas le col, ok. Ah, mais je l'ai pas mis là, non? Ouh, les gars, let's go, à là-bas. Wesh, ah, wesh, il est trop bien fait, ça fait Simmons. Wesh! Oh, le bâtard, il est trop bien fait! Oh, la dinguerie! Oh, le flow de baiser qu'il a! Mais les gars, Gauferin devient pro, Xavi Simmons! Il est trop bien fait, wesh! Non, les gars, c'est une dinguerie. Il est cap... Ah, il est capitaine en plus! Bah, attendez, attendez, wesh, il a un flow de baiser! Comment on regarde le ralenti là? Attends, faut que ça joue déjà. Ça peut avoir une influence Wesh, sur la qualité y'a pas de du jeu ralenti? avec le ballon qui fuse. Faut attendre au moins une minute. Bon, allez, c'est parti. Là, ça va être mon premier match référence là. Les matchs références, c'est important. Tu vois, par exemple, Mbappé, match référence, tu penses directement à ce qu'il a fait au Camp Nou face au Barça, tu vois. Moi, là, il me faut des matchs références maintenant, dès le début, dès mes 19 ans. Il est où, Xavi Simons? Regardez le flow qu'il a. Maintenant, il est pas capitaine, qu'est-ce que tu racontes? Mais il est grave bien fait, je suis choqué, les gars. Non, incroyable. Incroyable. Monsieur Simons. Allez, c'est parti, les gars. On n'est pas chez nous. On ne nous connaît pas. Mais ils vont apprendre à nous connaître. Let's go. Son deuxième poteau. Let's go, les gars! 1-0 pour le RC Lens! Le RCL! Let's go, les refs! Putain, c'est pas beau ça! Dès le début! Ballon en profondeur! Centre pied gauche! Demi-volée! Let's go, les gars! Le respect! Il est mieux fait que Koundé, ah, c'est clair! Koundé, on dirait un mec arcade! Allez, let's go! Non, franchement, là, ils l'ont respecté, là. Attention à Xavi Simons. Openda! On sait un joueur de Lens. Ça serait grave stylé que les anciens joueurs, ils savent que, du coup, c'est des anciens joueurs. Merde. Et qui s'excuse, par exemple, ce bâtard. Et qui s'excuse après avoir marqué. Mais lui, il veut pas, lui. Il célèbre. Mais franchement, ça serait grave stylé. Ça serait vraiment stylé. Bien joué à Penta. Pas de soucis, tu veux célébrer. Joue là-bas, merci. Change. Encore. Tchac. Tchac, merci. Putain, va-toi!
Yeah, il m'a envoyé. Yeah. J'ai glissé, les gars. Merci. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Mais oui, bien vu la passe. Petit piqué, ouais. Ok. Charge de solution. Tac. Tchac. Fini. Merci. Oh, dommage. Damn. Penda trop fort. Ah, c'est compliqué ça. Ah non, ce ballon est perdu. Main. Penalty. Penalty, mesdames et messieurs, est-ce que c'est moi qui tape? Eh, y'a Walker, les gars, carrément, wesh. J'avoue, Walker à la bas. Ils ont du bif, hein. Gauche. Putain, mais c'est pas moi. Quand est-ce qu'on me laissait taper, wesh? Merci. Merci, monsieur. Dommage que je tape pas. Les gars, 2-1 pour le RC Lens, match aller de Ligue des Champions. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On va enfin écrire l'histoire au RC Lens. Après Marseille en 93, le RC Lens de Pablo Nunes va rentrer dans l'histoire. Moi, je vous le dis. Comme général, j'ai 82 de général. 82 de général, première saison quand même. Je suis en février là. Et je peux avoir plus. C'est juste que là, maintenant, je mets tout des coups francs. Mais si à la place des coups francs, je mets dans les passes, par exemple, je pense que j'ai 84. Amadou Haïdara, on peut tester si vous voulez. Avec Kai Walker. Merci. Encore. Ah. Amadou Haïdara, reçoit le ballon. Ça sent mauvais ce match. Ce match sent mauvais. Ce match pue des fesses. C'est parti. Ouf, il est passé. Wesh, 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 chef, 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 chef. Chef. C'est parce que je t'ai dribblé que tu dois faire des trucs comme ça, frère. Il avait vraiment aucune envie de prendre le ballon. Waouh, les gars. C'est une dinguerie, wesh. Il a dit c'est pas réel. C'est pas réaliste, c'est pas réel. Ouais, les gars, on sait que c'est un jeu vidéo. 19 ans, il peut avoir 84 de général. C'est quoi? C'est comme Bellingham, c'est ça? Bellingham, 19 ans. Merci. La percée, mesdames et messieurs! Pablo Nunes! Pablo Nunes qui lance un message à toute l'Europe. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur Pablo Nunes. Ah, frère, vous êtes des fous, vous, quoi. Nous sommes le RCL. Nous sommes le RC Lens, mesdames et messieurs. Non, mais quand même. Vous le prenez pour qui, là? Ok. Let's go. Il est passé? Incroyable, il est passé. Oh, les gars, ouais, je fais tout le taf, vous faites n'importe quoi. Allez, mi-temps, on va discuter dans les vestiaires. 3-3, mi-temps. Quel match. Quel match, référence. La concentration, les 8, monsieur, c'est important. Non, je sais pas si on va réussir à passer au prochain tour. Hein. Là, c'est bizarre, là. En tout cas, moi, j'ai 10 sur 10. On fait du mieux qu'on peut. Oh, stylé, l'animation. Petit sandwich, tout ça. Ah ouais, ça se met bien, ben. Stylé, stylé. Dommage, à la fin, les gars, on peut pas signer des autographes. Genre, imaginez, les gars, carrément, on se fait sortir, on se fait remplacer, et ça nous met une caméra, tu sais, un peu comme les caméras pro, ça nous suit derrière, tu peux décider de serrer la main au coach ou pas, ou refuser, genre. Genre, quand tu refuses, tu perds des points de titularisation, et quand tu acceptes, tu gagnes des points, genre. Tu vois, des petits trucs comme ça qui font la différence. Enfin, qui font la différence niveau réalisme. Ça serait grave stylé, en vrai.
Monsieur l'arbitre, faute. Merci. Par pitié, laissez-moi taper. Laissez-moi taper. Comme en Liga, ouais, voilà, un truc comme ça. T'as traversé la défense, c'est aberrant. De ouf, on dirait pas tôt. Mais les gars, on est d'accord, 19 ans. Qui avait 84 de général à 19? Ouh, les gars, c'est parti, c'est le c'est le début de ma carrière en coup franc. C'est le début de mon aventure en coup franc, les gars. Let's go, but. Pablo Nunes, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Ça commence très bien. Premier coup franc. Regardez-moi ça. Premier coup franc sur FC 24, les gars. Merci. Bien appuyé, bien tendu. Magnifique, ça fait 4 buts à 3. Je disais, ouais, c'est Bellingham. Bellingham, il avait 84. Pedri aussi, non? 19 ans, il avait combien? Ouf, il est passé. Ah, dommage. Les centres sont bizarres des fois. Mais il m'a fait un centre rasant, frère. J'ai pas compris là. Dites-vous, pour la carrière de Yann Martin, j'ai mis 6 saisons avant de mettre un coup franc. Mbappé 85 à 19 ans, ok. Donc ça veut dire que je suis vraiment dans la lignée là, là de ces joueurs là. C'est dingue. Tac, tac, tac. Et ouais, les gars, c'est pas attentif. Merci. Sombrero, il est passé. La frappe pied gauche enchaînée. Le GOAT, mesdames et messieurs. Le nouveau GOAT. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Sombrero, il pousse le ballon, but. Putain, je suis en train de les assassiner. Je suis en train de les assassiner, les gars. Il est là, le prochain ballon d'or. Il est là, le prochain ballon d'or, là. Le Portugal a trouvé sa relève. On rappelle à tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat, qui viennent de s'abonner, tout ça, etc. Que maintenant, je vais essayer de live tous les jours à 10h, sauf demain, dimanche, parce que j'ai match. Mais sinon, tous les jours, 10h. Même la semaine, malheureusement pour vous, même si vous avez l'école, même si vous travaillez, tout ça, etc. Moi, c'est la seule dispo que j'ai, c'est le matin. Mais du coup, il y aura des best-of sur YouTube. Voilà. Et c'est à vous de choisir. Si je signe au PSG, au Barça ou à Manchester City, pour l'instant, il y a 25% PSG, 14% Barça, 17% Manchester City. Ouais, doucement, Xavi. Ouais, mais frère, je me doutais. Vous savez, il faut que je... Merci, gardien. Vous savez, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse des chants de supporters personnalisés, là. C'est bon, là, ça devient un gros joueur. Je vais faire des sons de... Je vais faire des sons de supporters. Ils vont chanter la musique de Pablo Nunes. Ça va bien se passer. Merci. On est parti, les gars. La prédit va grave passer. C'est quoi, votre prédit? Je joue dans la vraie vie. Je joue dans un club qui s'appelle le FC Nandji. Le FCN. C'est juste à côté de chez moi, c'est pour ça. Oh putain, j'aurais grave dû lui donner. Je lui ai mis une feinte. C'était vraiment de la méchanceté pure et dure, ça. À cause du penalty. Mais j'aurais grave dû lui donner. Ouais, j'avais but là. Je lui dis, allez, tiens. Vas-y, merci. Je suis là. Merci. Tac. Donne-lui là-bas. Ouais, encore. Pff, oh là 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 là, il est passé. Viens, va marquer, viens, va marquer. Mais... Voilà, mesdames et messieurs, le RC Lens qui s'amuse, mesdames et messieurs. Soui. Non, vraiment, on a une des meilleures équipes d'Europe. On a une des meilleures équipes d'Europe. C'est carré. Ça
Lens 4 étoiles et demie. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Saveur. Ouais, franchement, impossible de se faire éliminer au match retour. À moins qu'il y ait vraiment des scripts de fou. Mais match retour, impossible de se faire éliminer. Beaucoup trop chaud là. Lâche ton ballon. Wesh, frère. Le ballon il a été perdu. T'es mat. C'est ça les gars, sur fuite la bagarre. C'est grave ça. C'est grave ça les bagarres sur fuite. Incroyable les refs. Ça ouf lui, wesh. Oh le tag de baiser. Et je crois que c'était une autre bagarre aussi. C'était pas comme ça. Mais c'est grave bien fait, hein. Vous avez vu? Parce que sur fut en fait l'animation c'était pour un carton jaune, mais là c'est pour un carton rouge, la bagarre là. Oh c'est trop bien fait les gars, tête d'homme, je kiffe. Tête d'homme les gars, c'est incroyable ce jeu. Et c'est pour ça du coup c'est Peggy 18 je pense. Parce qu'ils ont mis des fautes beaucoup plus agressifs. Et je sais pas. Il y a des meufs maintenant, en fait il y a des cinématiques de meufs avec des gars dans les vestiaires. Par exemple, vous faites un match fut avec vos équipes mixtes et vous avez l'animation dans les vestiaires avec des meufs et des gars. C'est bizarre. Très bizarre l'ambiance dans les vestiaires. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça. Je pense que ça joue. Tu joues en amateur ou en légende? Je suis en débutant là. Ça joue en débutant, mon ref. Allez, c'est parti, on va jouer contre Reims chez eux. Ça va très bien se passer. Il abuse quand même. De ouf. Ils ont mélangé les meufs et les gars, wesh. Voilà pour les pénalties. Comment ça se passe? Là, il me faut un plus 6. Ouais, là, si je mets ça, puissance de frappe, nanana, mais après, ça me fait plus 4 en finition, c'est carré. Hein. Ou sinon, tout simplement, plus 4 en pénalty. Bon, 87 en pénalty, les gars. C'est bon, c'est fini. Débutant. Non, même pas. On est en mode ultime, les gars, wesh. Il n'y a pas de niveau plus haut dans FIFA. N'en déplaise à la racaille. Qui sont pas contents, quoi. Bon, le PSG revient. 6 points de... Wesh, c'est bugué ou quoi? On est d'accord que Lens... Oula, on est d'accord que Lyon, ils avaient plus de 40 points. Les gars, c'est bugué de ouf. Lyon, ils étaient deuxième avec 40 points. Et là, ils sont en cinquième. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Attends, il est quoi le prochain match retour? Ah ouais, après, c'est Monaco, c'est Lille, c'est Lyon. Et après, c'est les piches. Ah ouais. Oh, c'est dur. C'est dur. Sans finition, tu vas pas taper, je pense. Ouais, il y a moyen. Hein. Mais j'ai quand même 97 en penalty, frère. À un moment donné, coach. Hey, Yongli ou Rico, là? Wesh. La coupe de Juan Carlos Rico, les gars. On leur a enlevé des points. Ouais, j'ai vu ça. C'est une dinguerie. Allez, c'est parti. À tout moment, t'es deuxième. Bah écoute, qu'ils sortent vite la mise à jour de tous les bugs là. Puisque là, franchement, si je mérite d'être champion et que ils m'enlèvent des points, frère, bizarre. Magnifique, c'est 2. Magnifique. Dommage. On y est passé. But. Il est trop chaud le petit Pablo Lunes. Oui monsieur. Oui monsieur. Oui monsieur. Monsieur Pablo Lunes. Le portugais. Le portugais de Brasil. Tu as fait comment pour mettre des tatouages? Je trouve pas. Mais il y a des tatouages dont deviens pro, frérot. Juste à côté des crampons. Donc crampon, tu mets
Enfin, tu vas dans. Après les crampons, tu mets. Enfin, tu vas dans le tatouage. Comment tu fais pour ne pas trouver, wesh? Oh! Attends, wesh! Il est parti loin! Oh là là! Ziac! Aïe. En plus, ça attaque 2 pieds décollés. Ah mon Dieu, c'est dur ça. Ça, c'est dur ça. Madame, faut sévir là. Juste pour ce flop, carton normalement. Carton direct. Et tac, tac, parti. Tac, tac, tac. Oh là là, mais le jeu de lance! Oh la dé, putain de merde, je vais me placer là. Vas-y. Je vais retourner? Waouh, ok. Les gars, le jeu de lance, c'est une dinguerie. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Dommage. Je pense que ça va rester à Lens, les gars. Ça va prolonger mon contrat à Lens. Ouais. Mais les gars, wesh. Pff, il est passé. Dommage. Faut quand même pas rêver. Mode ultime, ça passe pas, ça. Il était loin, le retourner. Franchement, il était très loin. Mais il faut l'atout, en fait, pour les retourner. Putain, dommage. Attention. Oh, merci, gardien. Pourquoi ils ont pas mis Brice au goal, wesh? Allez, on sort. Merci, gardien. Yay! Eh, le go, il est chaud. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, les gars. 132 abonnés depuis ce matin. Ça fait plaisir. Bien vu. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Le doigt les pieds. Tchac. Wesh. Arrêtez les fautes. Pff, il est trop rapide. Il est trop rapide, le petit portugais. But. Wesh, les gars. Putain, j'aurais dû la laisser sortir. Dommage. Allez, on reste concentré. Boadou. Prends le ballon. Par pitié, prends le ballon. Les gars, wesh. Merci, gardien. Ouf. On a eu chaud. La passe en retrait, oui. Dommage. Ouais. Merci, monsieur. Et le contrôle. Il accélère. Il rentre à la surface de réparation, le petit piqué. Et merci, ça rentre, mesdames et messieurs. Le RCL qui marche sur ce championnat. Merci. Quel poste? Je joue juste offensif. C'est ça qu'il faut savoir. Juste offensif. Je suis attaquant, c'est tout. Je suis à gauche, à droite, au centre. Je suis partout, mon ref. Mais de base, je suis ailier gauche. Mais le coach, il va rien dire. Ok. Ah, dommage. Les LDC, les 8e sont passés ou pas encore? Bah écoute. Là, pour l'instant, on a fait le match aller contre Leipzig. On a gagné 6-3. Le match était incroyable. J'ai marqué mon premier coup franc. C'est un match vraiment qu'on n'oubliera pas de sitôt. Moi, je peux te le dire. Deuxième poteau. Ok, c'est pas comme ça que je l'imaginais, mais let's go. Hein. C'est beau le foot, franchement. En vrai de vrai, hein. Ceux qui veulent vraiment un avis et qui n'ont pas encore le jeu. Les bots cette année, ils sont un peu plus réalistes. Même si des fois il y a des matchs avec beaucoup de buts, beaucoup de scripts aussi. Mais en termes de jeu d'action offensive, c'est plus bon. Ils ont vraiment une intelligence de jeu, les gars, quand vous jouez en mode ultime. C'est incroyable. Je suis trop hype pour la carrière. Et bien vu, frérot. Vive les carrières, fuck fut. Je dis ça, mais tous les jours ça joue à fut. Allez, deuxième mi-temps. C'est parti. Let's go.
Je suis pas attaqué, je suis pas attaqué, je suis plus rapide. J'ouvre mon pied, mesdames et messieurs, pour un gros plat du pied dans la lucarne de cette équipe de Reims. Ça fait 3-0. Là, j'ai vraiment l'impression d'être le nouveau Mbappé, là. Ça passe sur le côté en vitesse, ça percute. Ça rentre, ça frappe. Limpide. C'est limpide, c'est sec. Philou est encore modo chez toi. Bien sûr, il est modo. Monsieur Philou. Et merci les gars pour les drapeaux portugais. On bombarde de drapeaux portugais les gars. À chaque but c'est important, c'est la tradition ici. Bien vu la team. Allez. Attention, Nakamura sur le côté, le numéro 17. Allez, wesh, je suis là. Merci. Il est passé. Le flip-flap, il accélère. Fou, loulou. Oh, le flip-flap, Miskin. But. Mes frères, tu vois, je vais faire des passes, on va faire plaisir aux gens. C'est une dinguerie, ça. Pff, oh là là là. Oh là 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 là. Mais cette violence. Ça fait 4-0. Ça fait 4-0. Je pense qu'on peut sortir les refs. Je pense qu'on peut sortir. C'est trop ce match. Tu sais que tu peux aussi aller au Milan avec Raphaël là-haut. Mon but c'est pas de jouer avec des Portugais. Mon but c'est d'être c'est de finir ma carrière avec 1 milliard dans le compte en banque. Je tiens à le rappeler. Je suis pas dans le social moi. Les Portugais on les retrouve en équipe nationale, t'inquiète. Et pitié, ils te doivent des sous. Il n'y a aucune pitié ici. Et Hernandez, réaliste, hein. Les gars, Hernandez, blessé 3 mois. Force à lui. C'est grave réaliste. Le titre leur tend les bras, frère. 3 buts et le ballon du match. Let's go. La course au titre continue. Oui, monsieur. À la une. Voilà. C'est quoi? Actu club, actu transfert. Attends, est-ce qu'ils ont fait les groupes pour l'euro là? Est-ce qu'il y a des groupes de l'euro ou pas? Même pas. Il y a juste ça. Les gars, on s'est qualifié de 1 but en différence des buts. Ça, c'est une dinguerie. La Croatie, ils auraient pu se qualifier, wesh. Attends, le PSG en Europa League? Wesh. PSG en Europa League, les gars. C'est-à-dire que là, dans le groupe actuel, on a fini 3e. Avec Newcastle, Milan et Dortmund. Et le jeu, il est inquiétant, là. Non, j'ai pas le disque. Et 3-0, wesh, Manchester. Manchester, ils sont éclatés, wesh. Par contre, ils sont chauds. Les gars, on hésite entre... On hésite actuellement entre le PSG... Le Barça et Manchester City. Là, les gars, je peux vous dire que City, c'est très fort. C'est très, très fort. Il y a vraiment l'euro. Ah, c'est vrai, on pourra vérifier si c'est vraiment l'euro, les gars. Parce qu'apparemment, il y avait des trucs. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait vraiment les vrais sponsors de l'euro, etc. Attendez, attendez, attendez. Déjà, éliminatoire. Est-ce que c'est les vrais logos des éliminatoires ou pas? Déjà, même pas. Déjà, c'est même pas le vrai logo des éliminatoires. Bon, on verra s'il y a vraiment l'euro. Franchement, s'il y a vraiment l'euro 2024, c'est lourd, wesh. C'est lourd. Attendez, je vais aller voir les stats. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. J'ai pas vu les stats depuis un petit moment, là. 31 matchs, 24 victoires, 42 buts. 31 matchs, 42 buts, les gars, carré. 72 millions d'euros. Par contre, là, je suis sous-payé, là. 5500 par semaine, les gars, wesh. Par pitié. Après tout ce que j'ai fait pour le club. Après, c'est à cause des centres réussis. Il me faut des centres réussis aussi pour qu'ils m'augmentent mon contrat. Mais sinon, pour l'instant, moi, l'Atlético, il m'accepte. 7 buts de la tête en plus alors qu'ils ont demandé que 5. Non, c'est une dinguerie, wesh. Tu vas faire du fut après. Non, même pas, c'était hier, ça. Maintenant, le soir, fut, le matin, deviens pro. C'est largement mieux.
Tu peux faire un... Ouais, je vais faire un tuto, t'inquiète. En fait, là, dès que j'ai les attributs maximum, je vais faire un tuto sur YouTube pour chaque poste. Comment avoir 97 de général en étant milieu de terrain, en étant attaquant, en étant ailier, en étant ci, en étant ça, etc. Parce que c'est vrai que ça aide, hein. Des fois, t'as la flemme de réfléchir à où mettre les attributs, tout ça. Mais et voir des fois des tutos et faire en même temps, c'est lourd. Bon, allez, c'est parti, Monaco. Au match aller, on a galéré, je crois. Match retour, ce sera pas pareil, moi, je te le dis. Là, on est vraiment dans la course au titre, là. On va pas rigoler avec Monaco, moi, je vous le dis. Allez, ballon récupéré. C'est parti, on prend la vitesse. Oh là là, le jeu de lance-cade qui se développe. Ah. L'épisode 4 ce soir sur YouTube. C'est l'épisode qu'on a fait hier et qui n'est pas encore sorti. Hakim en off. Allez, c'est parti. Tchac. Voilà, il faut proposer des solutions. Je suis là, tac, tac. Je suis parti, merci. Y'a qui dans l'axe? C'est quoi ces vieux centres de Gaulmont là? Monsieur Faute! Je vais taper des coups francs. L'équipe locale qui aborde ce match est un stade impressionnant. Allez. Le meilleur bilan offensif de la compétition. Si l'équipe locale est aussi performante. Quelle heure ce soir? Ce soir, je pense vers. Vers 22-23 heures, on se capte. Il faut un petit. Quelques matchs rivales. En ce moment, il n'y a que ça à faire. Il faut se qualifier au premier foot champion déjà. Et monter en rival. Medina. Non, je reviens. Monsieur l'arbitre. Il aurait dû temporiser un peu plus. Tchac. Tchac. Mais rends là, en une touche mon ref. Y'a quoi de dur là? Des fois ils ont vraiment du mal avec les une touche. Légendaire. Mais non, je suis pas légendaire. Les gars, qui vous a dit que j'étais en légendaire? Je suis pas légendaire. Je suis en ultime là. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. L'action était bien partie et finalement c'est perdu. Comment il est venu sur le ballon lui? Vas-y, merci. Oh, j'ai comment je kiffe ce genre de relance. Ah, Thomas, il aurait dû faire une roulette. Le ballon pour Fofana. Salut mon gars, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Dégage le ballon, merci. Encore. Voilà. Monsieur l'arbitre. Eh ouais. Eh, monsieur l'arbitre, il a marre des fautes. Pff, excellent, ce changement de côté. Prêt à foot royal, à racaille marseillaise demain, au demain. Ah, mais non, demain, pas de live, du coup, je suis un ouf, moi. Il y a le classico, wesh. Ah, je suis un fou. Demain soir, pas de live. Mais sinon, ce soir, ouais. Voilà une attaque. La racaille marseillaise. Allez. Par contre, tu auras une vidéo réaction devant le match avec mes potes. Wesh, les gars. Voilà. Ça qu'il faut faire. Putain de merde. Tac l'assassin comme ça. Oh le classico, j'allais dire le derby face à Lille. Voilà, putain, mais défensivement il est trop chaud. Défensivement frère, cette année je pense qu'on peut vraiment faire des deviens pro défenseurs, hein. Si vraiment vous voulez des gros défenseurs bien maffés du Ghana. Faites un gagnant bien stock qui fait 2 mètres et vous le mettez en défense, les gars, vous allez prendre du plaisir. Vous allez casser les joueurs, tout ça. La direction des vestiaires.
vestiaire. C'est la fin de la première période. Allez, mi-temps 0-0, deuxième mi-temps, faut planter là. Mi-temps très timide, il n'y a pas eu d'action, ils ont endormi. Là, deuxième mi-temps, faut se réveiller. Let's go. Je suis là, mon ref. Merci. On ressort hein, si t'as pas d'action. Ok, pourquoi pas. Avance. Voilà. On essaye de construire pour aller chercher le but et prendre la balle. Les gars, coup franc. Les gars, le coup franc, les gars, let's go, mon bébé. Oh. Allez, c'est parti. Mon premier coup franc, je l'ai mis. Je tiens à le dire. Mon premier coup franc, je l'ai mis. Attention, le mur, faut reculer, s'il vous plaît, messieurs. Voilà. Je sais pas si je mets un extérieur du pied. Je crois que je vais tenter l'extérieur du pied. Hein. Ah. Attends. Ouais, je peux pas, putain. Ça rentre, les gars. Et pourquoi pas, non. Putain de merde, trop bas, wesh. Mon premier coup franc, je l'ai mis comme ça. Dommage. Dommage, dommage, trop faible. Juste après, c'est Lens. C'est Lens contre Lille. Les fameux ennemis. C'est bien en fait dans les coups de pied arrêtés parce que lorsque vous mettez là tout coup de pied arrêté, et ben vous savez la courbe là. La courbe elle est beaucoup plus longue donc elle vous projette un peu plus loin. Ça qui est bien. Non, ils ont trouvé la faille, putain. Ils ont trouvé la faille, les gars. Damn. Ils sont durs à jouer, Monaco. Match aller-retour, là, on galère, frère. Ils vont nous faire perdre des points pour le championnat. Attention aux Parisiens. Qui vont essayer de le gagner, ce championnat. Encore. Putain. Dommage. Ok. Ok, mon ref, on est là. Hop, hop. Dans les pieds. Là-bas. Oh là là, incroyable. Incroyable, il est passé. Il est trop fort, les gars. Il est trop fort, le petit Pablo Lourdes. Âgé seulement de 19 ans. On le rappelle, c'est important. 19 ans, Tema, il fait quoi? Non, les gars, il est trop fort. Sortez-moi les drapeaux du Portugal, s'il vous plaît. Merci Darren, merci Elsinho, merci Tony. Merci la team. Merci Mike, le fouteux. Kinshasa. Kinshasa, il s'appelle. J'ai vu la team. C'est à ça que doit ressembler un chat après chaque but du jeune Pablo Nunes. Ouais, je ferai une carrière manager, mon pote. Mais dès que j'aurai fini, mon devient pro. Les gars, 30 buts en 23 matchs. C'était mon 30e but. C'est magnifique. Attention à Gaïa sur le coup. Ouf. Gaïa à Monaco, putain. C'est du bif, Monaco. Hein. Allez, tac. Record de Ligue 1, 30 buts? Je pense pas. Hein. Rien que Zlatan, déjà, il a fait, il a battu ce record-là. Zlatan, je sais plus, il a fait combien. Il a marqué beaucoup de buts. Le ballon pour Angelo Fulgini. Ah, les 30 buts en 23 matchs, c'est un record. Ouais, Zlatan, 38. Et je crois qu'il y a un Marseillais aussi. Il a fait 40 et quelques. Mais vraiment, à l'époque où le football, c'était beaucoup trop facile. Oui, c'est bien défendu. Et donc le ballon était. Est-ce que ça compte vraiment?
Mais c'est une dinguerie quand même de se dire que Haaland, première saison en Angleterre, il bat le record. Je vous présente Monsieur Pablo Nunes. Monsieur Pablo Nunes, les gars. Monsieur Pablo Nunes. Let's go. Let's go. C'est terminé. Les monégasques sont finito. Ouais, voilà, 44 buts. 44 buts, c'est un Marseille. Ça commence par un S, son blaze, mais après, le reste, je sais plus. C'est un attaquant et ça commence par un S. Incroyable cette frappe. Il a dit le nouveau Raphaël Lao, t'es fou toi. Moi c'est le nouveau Ronaldo frère. Le nouveau Cristiano Ronaldo, la relève. Nunes numéro 7. Allez. Il reste 2 minutes. Il faut tenir s'il vous plaît. Faites pas comme le PSG. Un but à la dernière seconde. Voilà, merci. La victoire. Maintenant, go affronter Lille dans un match très important. Ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Je rappelle, exactement, je rappelle, il a que 19 ans. Mbappé 2022 a pas le record de Ligue 1? Non. Non, 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 c'est Zlatan. C'est Zlatan Ibrahimovic. Et le pire, c'est que c'était vraiment la dernière saison de Zlatan Ibrahimovic. 34 ans, je crois. Il bat le record, wesh. C'est une dinguerie. Alors, mon activité, qu'est-ce qu'il y a à faire? Grosse performance, bah on va jouer un peu perso. On va se louer des performances un peu, là. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si je mets des trucs qui sont un peu perso, bah, je peux m'améliorer dans la personnalité. Et ça fait gagner des points. Dans les atouts que je veux. Du coup, faut être perso. Je sais plus c'est où les atouts. Ils sont où les atouts perso là? Attendez que je retrouve ça. C'est dans personnalité? Même pas. Ah si, c'est là, ouais. Ouais, voilà. En fait, pour avoir ça. Pour débloquer tir puissant, il faut 50% en solitaire. Là, solitaire, je suis à 46%. Donc du coup, maintenant, je vais dire que des trucs verts. Parce que les trucs verts, c'est vraiment pour un joueur comme moi, quoi. Technique, contrôle, tir puissant, balle piquée. Le reste, tiki-taka, rapide, technique. Ah, j'avoue, rapide, technique, ça m'intéresse aussi. 50%, il faut en fiable. Ça veut dire 50-50, wesh. Ah non, là, 25%. Technique 50%, 25% ici. Rapidité plus élevée lors des dribbles et commet moins d'erreurs lors d'une accélération de poussée de balle. Ah, j'avoue, ça c'est intéressant. Mais il faut au moins 25%. Là, je suis à 19%. Le jeu il est plus poussé que la saison dernière, j'ai remarqué. En vrai, moi je te dirais d'aller à Manchester City, mais Liverpool ça tire et bien. En fait, ici, en fait, c'est vraiment un défi. Je vous ai mis un défi, les gars, c'est à vous de choisir cette année. C'est à vous de choisir où je vais aller. C'est pas moi qui va évaluer où est-ce que je dois aller. Donc là, on a 27% PSG, 14% Barça, 18% Série. Frère, je tire pas les pénaltys, c'est une dinguerie. Enfin, pas encore, on sait pas. Tire de long, on va améliorer. Finition, on va améliorer. Même deux fois, même 78 en finition. Et on se retrouve avec un joueur avec 83 de général. C'est une dinguerie. Pourquoi tu vas pas au Real de Madrid? Parce que je voulais pas avoir 10 000 clubs en choix. Je voulais choisir 3 clubs. J'ai pris 3 clubs au hasard. Ça aurait pu être le Real, ça aurait pu être Liverpool. C'est vraiment du hasard. J'ai mis Barça, City, PSG, c'est vraiment du hasard. J'aurais mis Liverpool, Real de Madrid, PSG, on m'aurait dit pourquoi tu mets pas le Barça et City. C'est évidemment le gros match à suivre aujourd'hui. Allez, let's go. Match contre Lille. Ça va très bien se passer, faut les fumer les Lillois. Faut les fumer. Faut en faire qu'une bouchée de cette équipe.
Le derby du Nord. Let's go. Ih, ça c'est le vrai match. Enfin, là c'est le vrai stade de Lille. Hein. Attends, il ressemble à quoi le. Ok. Très très beau stade. On aurait pu jouer là-bas. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. En fait, eux ils jouent pas avec un ailier en fait. C'est pour ça qu'on a pas joué là-bas. Ils jouent avec des milieux gauche et des milieux droits. Moi je vais être ailier moi. Sortie dessus, sortie dessus. Encore. Merci monsieur, c'est parti. Hop. Hop. T'es parti. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Avec moi les gars, tranquille. On ressort. Le centre. Il a appliqué ce centre. Oh là là, dommage. Ouais, prochaine carrière, ça va changer les compos. Hein. Je suis là, mon ref. Tac, le contrôle magnifique. Extérieur du pied. Pff, dommage. Ah, le match, là, il commence bien, là. On se sent bien dans ce match. Je suis pas hors jeu. Arrêtez, je suis pas hors jeu. Là. Arrête, monsieur l'arbitre. Je ne suis pas hors jeu. Ok, on reste concentré. Gomez. Ah, je savais. Hé hey, il est passé. Ça veut dire quoi, The World Game? Il a marqué un truc, World Game. Genre, j'ai fait un bon match. Mais vraiment, ça serait une dinguerie, hein. Ce serait une dinguerie que première saison, Ballon d'Or. En gagnant le championnat, en étant meilleur buteur, meilleur joueur de Ligue 1. En gagnant l'Euro avec le Portugal. Et en gagnant la Ligue des Champions. Même si je rate la Ligue des Champions, Portugal peuvent gagner l'Euro. Hein. Oh non! Ah ouais, c'est pas pro ça! C'est pas pro ça, les gars, wesh. Merci, gardien. Allez. Tu m'as vu dans les pieds, merci. Tac. Le jeu qui se met en place. 4 passes, 5, 6. Wesh, frère! Pourquoi tu viens dans mes pieds? Bizarre, lui. L'attaque se poursuit, elle se développe. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Abdoul Samed. La passe vers Abdoul Samed. Oh là là, oh là là, ça joue bien. Tac, 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 tac. Tac, oh là là, talonnade, tout ça, etc. Non, c'est fort. Cette année, les gars, c'est vraiment le tiki-taka. Cette année, c'est le retour du football, les gars. Cette année, tu me parles que football sur eSport FC. Alors, on fait tourner. Alors, s'il est à 7, il peut signer à l'Atlético. Comment ça, il est à 7? 7 de quoi? J'ai pas compris. Pourquoi tu vas pas à l'Atlético? C'est mon club cible, hein, l'Atlético. Sauf si vous arrivez à débloquer les défis que je vous ai mis juste en bas là. Vous avez le choix entre le PSG, Barça et City. Si vous y arrivez, on signe dans le club que vous désirez. Si vous n'y arrivez pas, je vais à l'Atlético. Ah mais c'est bon, moi je suis à 7 buts de la tête. Hein. Moi c'est bon les gars, l'Atlético. L'été prochain, s'il se passe rien. Actuellement, je suis un joueur de l'Atlético. Pourquoi tu cours, toi? Putain, dommage. Qu'est-ce qu'il y a qui? Ça va? Tchac. Vas-y, tête. Pablo Lunes, les gars! Monsieur Pablo Lunes! Et oui, monsieur. Très important. Restez concentrés sur vos objectifs.
Merci. Merci Natsu pour les maillots, pour les drapeaux du Portugal. Merci Tony, merci. Merci Kinshasa. Merci la Chim. Quel chat incroyable. Enael. LMB. Soshino. Et merci la Chim. Allez, on continue à presser. Contre Lille, là, faut vraiment leur laisser aucune chance. Voilà. Bien vu, tous ceux qui s'abonnent, les gars, ça fait plaisir. 167 abonnés aujourd'hui. La famille s'agrandit. Tous les jours, les gars, il y aura des lives ici, là. Tous les jours, le matin. Sauf demain, j'ai match. Les gars, ici, vous faites du foot en club ou quoi? Qui fait du foot en club ici? Dites-vous, demain, je sais même pas si on sera 11. Je sais même pas si on sera 11 parce que y a plein de joueurs qui sont pas, ils ont pas payé leur licence. C'est une dinguerie, les gars. Ça se trouve, on va jouer à 8 contre 11 là. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain. On connaît tous ce genre de club en dans les trucs amateurs là. Les clubs de district. Et pour les amateurs de Ligue 1, nos deux se rendez-vous à suivre ensemble. Lille affrontera le Stade de Reims. Merci. 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 Change de côté là-bas. Ouais. Piqué. Piqué. Oh, il a niqué l'action, ça aurait été magnifique. Encore mon ref. Tac, change de côté. Merci. Passe dans l'axe. On va avancer quand même. Et là, on va frapper. La main. Penalty, merci. J'espère que là, je tape. Eh, j'ai amélioré ma finition, j'ai amélioré les penalties. 97 en penalty, les gars. C'est une dinguerie. Du coup, est-ce que je tape? Est-ce que je tape? Par pitié, monsieur le coach. T'as bien vu tout ce qu'on a fait cette saison. Merci, putain. Les gars, le premier penalty, on tire à gauche. Let's go. Let's go, mesdames et messieurs. Pablo Nunes. Et cette manière de tirer, les gars, elle est incroyable. Heureusement, il l'a rajouté. Elle a grave du flow. Ouais, tac, tu t'arrêtes et... Ah, on dirait qu'il fait un tir aveugle. C'est pas beau ça. Merci monsieur Pablo Nunes. Allez. On va pouvoir sortir. Oh. C'est le nouveau FIFA, exactement mon ref. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Aïe. Allez les gars, pressé. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Jusqu'au bout, faut les taper là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ok. Pff, oh là là. Oh là là, il se fait plaisir. Et la passe sur le côté. Reviens derrière. Deux équipes très intéressantes pour tous les... Le centre, deuxième poteau, la tête. Pff, oh là là. Oh, j'y ai cru. Tu fais du football dans une équipe, exactement. Là, c'est du vrai football, là. Ah, tu parles de la vraie vie, ouais. Je fais toujours du foot, mais c'est dans une ville qui est à côté de chez moi. Quel dommage, ok, oui. Allez. Victoire, 3 buts à 1, les gars. 3 buts à 1 pour le RC Lens qui passe du coup en demi-finale, je crois. Demi-finale. Victoire de Monaco contre Bordeaux. On ne sait pas contre qui on va tomber. I, Lyon et après Leipzig. Leipzig, pardon. Je pense que je fais les deux matchs, les gars. Après, je vais vous laisser. En vrai, on a grave avancé, wesh. Je me suis dit, je vais live 3 heures. Mais en vrai, 2 heures et demie, en vrai, c'est carré. Hein. On a grave avancé, là. Je dirais, on a fait 15 matchs. Il y a eu combien? Il y a eu 3-1, là. Grosse performance. On va se taper dans le dos. On va se jeter des fleurs tout seul. Dans la revue, c'est quoi ton club? Tu connais pas mon ref. Trop le seum d'être arrivé en retard. Là, il dure encore. Je pense deux matchs. Wesh! On est monté, les gars. 4 étoiles. On passe de 4 étoiles à 4 étoiles et demi. Lens est un gros club.
Lens est un gros club, les gars. Dinguerie. Je savais pas que c'était possible. Lens est un gros club. Je crois qu'on va rester à Lens, les gars. Est-ce qu'on prolonge vraiment? Je réfléchis à une prolongation. Partir à l'Atlético, partir au PSG, partir au Barça, à City. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les refs? Il a dit non. Ouais, c'est parti. On va affronter l'équipe de Lyon. Lyon en guerre avec Aulas. C'est une dinguerie. Ouais, c'est parti. Allez, tac. Tu m'as vu. Ouais. Franchement, ces crampons-là, elles m'ont réussi. Hein. Ah, vas-y. C'est parti. Tac. Fais tourner un peu là-bas. Wesh. Ils sont agressifs dans ce jeu, j'ai remarqué. Hein. Ils sont plus agressifs que. Plus agressif que le 23, j'ai l'impression. La composition de l'Olympique Lyonnais. Voici la composition du RC Lens. On me dit prolongation, PSG, Barça, City. Ah ouais, on me dit tout là. Ça me tabasse. Change. Merci. Viens ici. Merci. Merci, merci. Voilà, et là je suis parti. Pouh, là, 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 là. Ciao. Il rentre dans l'axe. La passe, putain. Faut que je mette les 5 étoiles là, histoire de bien m'amuser. Je suis pas sûr d'avoir 5 étoiles. Ah si, j'ai 5 étoiles. Bon, c'est jamais simple de savoir. Ok, c'est bon, je suis en ouf. J'ai 5 étoiles. Mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Ça va bien se passer. C'est une cascade de buts qui sort de ses chaussures. On va tester les nouveaux gestes techniques. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore testé le jeu, ils ont ajouté les petits ponts, vous savez, mais... Ouf, c'est très difficile de les mettre, vous avez vu? Mais c'est bien fait quand même. C'est grave bien fait, mais les joueurs, en fait, ils ferment trop leurs jambes. Regardez, tac, tac. Tu vas jamais en mettre. À part en débutant, peut-être. Mais sinon, c'est bien fait. Heureusement qu'ils l'ont rajouté. Parce que quand tu vas réussir hein, à mettre des petits ponts, là... Pff, d'être une dinguerie. Déjà en mode ultime, c'est impossible. Ils ferment leurs jambes. Et Garcia qui passe. Attention. Merci, ça. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Tac. Wesh, 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 c'est du catch, monsieur l'arbitre. Mais monsieur l'arbitre, c'est du catch, on vous repose la question, madame. C'est des ouf, wesh. Ah, dommage, tu m'as pas vu. Putain, j'étais bien là. Tu joues un peu à NBA. Je t'avoue, en ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer à autre chose que FIFA. Pour l'instant, je joue pas trop. Voilà. Sors, mais wesh. Les gars. Les gars, là, on joue contre le... Ouais, on joue contre le troisième au classement, s'il vous plaît. Allez, toi, va là-bas. Voilà. Viens ici. Merci. Aïdara. Merci, les gars, le football. Pour Medina. Le football se met en place. Le ballon... Ah, est-ce que je suis la NBA, pardon? Oh là, pas du tout, mec. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Allez, les gars. Le taux à la mi-temps, toujours pas de but. Et voilà,
passer, bonne progression vers le but adverse. Elle te dérange pas la caméra? Non, moi j'aime bien. Justement, j'aime pas les caméras pro. J'aime bien regarder des vidéos avec des gens qui jouent avec les caméras pro. Mais moi, jouer avec une caméra pro, non, je déteste. C'est pas ce soir le combat, hein. C'est le 30 d'Arel. Retour des vestiaires, l'Olympique Lyonnais lance cette deuxième mi-temps. Allez là. Il a dit on est quand aujourd'hui? Wesh. Frérot, on est le 23. Réveille-toi, bordel. Eh hey, par contre les Lyonnais ça joue hein. Voilà, merci, on a le ballon. Ah la main. La main, la main, la main. Et ouais les gars. Restez focus là. Allez, ça joue court. Vous l'avez les gars, vous l'avez. Merci. Merci. Faites-vous respecter, voilà. Je suis parti comme une flèche. Et au programme à venir, c'est donc une rencontre de Ligue 1. L'OL affrontera le FC Lorient. Tchac. Je suis hypé, c'est ça ? Voilà, le football. C'était compliqué. C'était compliqué. Attention que c'est Arsenal de Garcia. Voilà, le ballon est perdu, merci. Tchac. Tchac. Je suis pas hors jeu. Dans l'axe, à qui? Mais, hé, hey, les gars, c'est une dinguerie. Ils veulent contrôler, construire. Frère, frappe! Allume! Oh! Ah, dommage. Contrôle boulé. Dommage. Vas-y encore. Ok. Oh, dommage. Dommage, dommage. En tout cas, les Lyonnais, ça joue très bien. Ah, Lyon, c'est pas les pchiches. Hein. On est samedi 24. Attends, les gars, on est vraiment le 24. Mais non, on est le 23, les gars. Dimanche, c'est le 24. Ouais, c'est parti. Et c'est parti, la vitesse. Ziac. Putain, dommage. On est le 24, il a dit, mais wesh les gars. Carrément, ils m'ont mis un doute là. On est le 23, putain. Arrêtez de dire n'importe quoi là. Wesh, monsieur là, madame. Madame, ça suffit. C'est ouf les Lyonnais, ils ont trop la rage sur moi. Deux pieds décollés, les gars. Ah, wesh. Cacqueré. Je te volerai pas ta place en équipe de France, t'inquiète. Madame. Allez, on va la tenter, celle-là. Celle-là, on va la tenter. Attends, c'est moi qui fais la main? Arrêtez, madame. Arrêtez. Ok, on va se concentrer, voilà. Il reste 10 minutes. C'est maintenant qu'il faut faire la différence, c'est parti. Pablo Nunes sur le côté. Pablo Nunes, le flip-flap. Il passe. Le 1-2. La frappe repoussée par le gardien. Allez, ça va revenir, remet la pression. Met la pression à l'extérieur. Tac, on décale son côté pour un nouveau centre peut-être. Ça revient avec Nunes. Mais j'étais là. Attends, dommage. Encore.
Metz qui a le ballon. Ça décale sur le côté. Je suis là. Oui. Merci. Les gars, le but décisif. Enfin. Enfin, les gars. Enfin, les gars. Let's go. 1-0. Ma rentrée, c'est demain. Courage, mon ref. Et c'est une victoire, mesdames et messieurs. Victoire de l'équipe de Lens qui se rapproche un peu plus vers la victoire en Ligue 1. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'as raison, je me suis trompé bien, oui, les gars. Quand même. Quand même. Bon, match retour. Match retour de Ligue des Champions. Hii ! Bayern, les gars, 4-0 contre l'Inter. Putain. Arsenal, je crois, c'est mort. Arsenal, c'est mort. United, c'est mort. Atletico, c'est mort. Leipzig, c'est mort. Y a aucun suspense. Sur ça, il n'y a aucun suspense. Est-ce qu'il y a un modo qui peut être une prédit ? Prédit. Tiens. Quel prédit on peut mettre là ? Quel prédit on peut mettre chez les modos ? Un modo qui peut mettre 0 but encaissé sur ce match retour contre Leipzig. On va essayer de se prendre 0 but encaissé. Enfin, on va essayer de se prendre 0 but. Je suis en ouf, moi. C'est parti. C'est parti, les gars. Let's go. On peut le faire. Attends, c'est qui les buteurs en Ligue des Champions ? Je crois, les gars, je suis très bien placé en Ligue des Champions. Oui, monsieur. 10 buts en 7 matchs. Allant 7 buts en 7 matchs. Même des gens qui marquent un but par match, ils sont loin derrière, les gars. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce match à domicile. Les gars, misé pour de vrai, c'est la dernière prédit. 0 but encaissé face à Leipzig, les gars. Oui ou non ? Sachant qu'au match aller, il y a eu quand même 6-3. Donc là, c'est vraiment à vous de miser. Oui ou non, les gars. 0 but encaissé face à Leipzig. D'après ses signaux, il a dit impossible. La prédit passe. Personnellement, j'y crois. Allez, c'est parti, let's go. Par contre, ça va être... Ouf! Doucement les fautes, les gars. Ça va être scripté, ils vont essayer de marquer. Allez, c'est parti. Ouf, c'est parti, let's go. Nunes. La vitesse de Nunes. Il pousse son ballon comme il a l'habitude de faire. Oh là 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 là, il va très vite, le Portugais. Il est rentré. La passe au retrait, le but. Oh là 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 là, il va très vite, le Portugais. Oh là là, c'est Nunes ou c'est Messi là ? Ou c'est Mbappé, pardon. Parce que Messi, voilà. Mbappé, frère. Explosif à la Mbappé, les gars. Explosif à la Mbappé. C'est une dinguerie. Il est trop fort. C'est parti, les gars, ça fait 1-0. Dès l'entame de match. Il fait parler sa vitesse. Attention, Xavi Simons, le numéro 20. Ok. Ouf, ballon contré. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Ballon vers la surface. Oh non. Oh, j'ai cru qu'il y avait pénalty. Oh, j'ai eu chaud. Je me suis dit, on va pas perdre une prédit sur ça quand même. Par pitié. Tout sauf sur un pénalty. Oh les bâtards. Oh les bâtards, le but il est incroyable. Oh les bâtards, le but il est magnifique. Bien joué. Tac. Tac.
Tac, ils ont caressé le ballon. Sur ce 1-2 là. Yeah. Bah écoutez, le défi, 0 but encaissé, les gars, il est parti en fumée. Hein. C'est pas grave, on reste debout, les gars. Oh, magnifique ça. Ce 1-2. Il est passé. La passe en retrait. Aïe, 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 dommage. Allez, deuxième poteau. Ok, c'est repris. Ah, dommage. Attention, parce que eux, ils sont venus pour gagner. Hein. 7-4, 7-4. Il suffit qu'il marque un but, deux buts, c'est fini. Le suspense. Oh, vas-y, let's go. But. On a trouvé la faille. On a trouvé la faille. Les Leipzig marque 3 buts, les gars. Voici la nouvelle prédit. Allez-y, les gars, misez. Allez, c'est parti, on reste concentré. Merci, les gars, pour les drapeaux du Portugal. Le Portugal de Pablo Nunes. On va enfin connaître son prime, moi, je vous le dis. Je vous le dis et je vous l'affirme. J'espère vraiment qu'il y aura CR7 à l'Euro. C'est parti, tac, tac. Putain, trop tard, frère. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Alors, le match n'a pas encore commencé, mais il y a déjà pas mal d'agitation. Oh là 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 là, le sombrero. Oh là là, c'est incroyable. Il s'amuse, le petit portugais, il s'amuse. Prend du plaisir. Il se régale. Oh là là, feinte, frappe. Malheureusement contré et c'est un corner. Non, c'est beau ce qui se passe. C'est sinon il y a des spams, frérot. Allez les modos, reste focus s'il vous plaît. Le corner bien tiré. Merci. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Ta. Wesh, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Ok. Monsieur Olmo, Werner, qui a le ballon. Henrich, yay. Il a poussé son ballon. Attention, non. Mais les gars, pff, ils sont pas concentrés. Ils sont pas concentrés. Allez. Wesh. Il a 10 de notes. Bah frère, ça va très vite. Hein. Une passe D, un but. Tu participes aux actions offensives. Abdoul Samed. T'es pas forcément obligé de respecter ton poste, oula, ton poste sur ce FIFA là. Juste, voilà, t'as le ballon, t'es décisif, c'est carré. Tu peux ne pas respecter ton poste et avoir 10 sur 10. En rester là, c'est la fin de la première période. Les Moshe qui a validé la prédit. Attends, la prédit elle a été validée là, 3 buts. Ouf. Ce que je lui ai mis. Moi, il a marqué prédit validé 3 buts. Elle est pas validée. Pourquoi il a marqué? Il a marqué elle a été validée la prédit. J'ai eu peur premier sous là. J'ai eu très peur, je me suis dit wesh. Mon bif. La possession change de côté. Ah, j'étais sur l'ancienne prédit moi. Pouah, frère, il est trop physique lui. Putain.
Il y a beaucoup de changements dans ce mode carrière. En vrai, le plus gros changement, les gars, c'est vraiment le mode agent. On a un agent maintenant. Vas-y, je suis là. Merci. Voilà. Le football. Un peu de football, les gars, dans ce jeu en soi. Allez, c'est parti. Tac. On ressort ensemble, voilà. Oh là là, mais quelle équipe. Les supporters qui chantent. L'atmosphère est là. Le niveau est là. Oh là là. Dommage. C'était magnifique. C'était magnifique, mais attention, contre-attaque avec Warner qui va très vite. Son côté. Non les gars, merci. Mais qu'est-ce qu'il fait, gardien? Voilà. Tranquille. Voilà, il est passé. Merci. Il est fort jeu, les gars. Le Portugais Pablo Nunes qui enterre cette équipe de Leipzig, c'est terminé. Alors, ça fait quoi si tu remplis pas les objectifs du renouvellement de contrat avec Lens? Bah du coup tu vas rester à Lens. Mais tu auras pas une augmentation de contrat, je pense. Et tu seras pas un joueur libre, hein, je pense. Hein. J'ai jamais fait deux saisons, mais tu peux pas te faire virer, je pense. Tu imagines, tu finis agent libre. Ce serait une dinguerie quand même. Ou qui t'impose à ce que tu quittes le club. Ouais. Excellent. Wesh. Mais ça c'est très dangereux ça. Merci de les drapeaux du Portugal les gars en commentaire, vous êtes des bons les gars. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait grave plaisir. Live tous les matins. Sauf le dimanche matin parce que j'ai match. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Wesh! Ah, donc là, ok, ils ont compris qu'ils étaient éliminés, donc maintenant ils veulent casser. Abdoul Samed. J'ai capté. Villa Vogui. Ah, dommage. Ok, on met la pression, les gars. Même si on gagne, on met la pression. Mentalité Manchester City. Mentalité City, les gars. Dommage. Younes, il vit pour les caméras. Vraiment. Tout pour les caméras. Tatouage, crampon. Tout pour le flow, les gars. C'est important. Y'a rien, frère! Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. C'est abusé, wesh. Abusé. Ça dit quoi, Junior? C'est déjà rendez là et toi? Je suis là. Ah! Ça mérite un jaune. Même pas, wesh! C'était vraiment que pour le ballon. Attention, les gars! Attention, les pchiches! Attention, le RBL! On va dire RBL parce qu'on sait pas dire les pchiches. Par pitié, pas maintenant. Pas maintenant, les gars. Voilà, les gars, let's go. La victoire, les gars. La qualification au quart de finale. Merci, Lens. Merci, les Lensois. Je commence à kiffer ce club. Je me demande si je vais pas dire non au PSG, au Barça et à City, là. Je me demande, les gars. Je me pose des questions, là. Les gars, je crois que je vais rester à Lens, hein, projet légende, projet capitaine de Lens. T'as failli faire une fin de carrière. Non, quand même pas, je vous abusez. Alors, qualification du Barça, qualification de Lens, qualification, je pense, Lazio de Rome et... Attends, ça, c'est bien la Lazio de Rome, ça. Lazio de Rome, City et les autres clubs qu'on a déjà vus. Tu live quelle heure le matin? Tous les jours, 10h, on va faire. On va faire tous les jours 10h. Je sais que vous aurez cours, tout ça, etc.
Mais il y aura des rediffs sur YouTube. Si vous ne connaissez pas mon YouTube, mettez pour l'exclamation YouTube et vous allez voir Junior TV Gaming. Je mets toutes les rediffs là-bas. Comme ça, vous ne loupez rien de cette carrière incroyable. On se met les points de compétence. On va aller voir qui a gagné en Ligue des Champions. Et après, on va se laisser les refs. Attendez. Coup franc. Bim. Non, tire de loin. Tire de loin, les gars. Ça va très bien se passer. Il va devenir monstrueux. Le classement. Alors, United, c'est fini. United finito. Atletico finito. Franchement, force à eux. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, premier lance. Avec 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. 2 défaites, 4 nuls. Et 18 victoires. PSG pas loin. Marseille, Monaco et Lyon qui suivent. Vraiment, le classement, il est bien ordonné avec les meilleurs clubs français. C'est grave réaliste. Bon, vas-y, les gars. Passez tous un bon week-end. On se retrouve lundi matin pour les prochains épisodes de cette carrière qui promet d'être grandiose. Tchuss les refs.